Shalom, 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 shalom. Shalom, que shalom. Dieu vous bénisse. God bless you. C'est le prophète Ngom Francis Clément. It's the prophet Ngom Francis Clément. Avec le diacre Arnaud Kofi. The deacon Arnaud Kofi. Partagez sur toutes les plateformes. Share on all platforms. Partagez sur tous les groupes. Share on all groups. Aujourd'hui, on va parler du ministère du prophète. Today we're going to speak about the ministry of the prophet. C'est les enseignements. These are the teachings que je veux donner aujourd'hui. That I want to give today. Par rapport au livre que je suis en train de préparer. Regarding the book that I'm preparing. Et donc, c'est important que. So it is important that tous ceux qui sont appelés au ministère du prophète. Who are called to the ministry of the prophet. Puissent se connecter. Can be connected. Parce qu'on va partager des choses qui vont nous aider. We're going to share things that are going to help us. Le corps de Christ. The body of Christ. A besoin. De révélation. Revelation. Alors connectez-vous. So connect us, partagez join us, sur tous les join us and connect it en and fait share que it everywhere. Une multitude de personnes puissent écouter so that the message of people can listen ce message. To this message. Partagez share, sur tous les share, groupes. Share on all groups. Partagez sur tous les groupes. On all groups. Il est fidèle. Il est faithful. Partagez, continuez à partager, continuez à partager. Invitez au maximum. Invite au maximum. Nous voulons nous éviter ce soir. We want to edify ourselves this evening. Les huit dimensions du ministère du prophète. The eight dimensions of the ministry of prophets. Ma fille Isabelle Grasse. Daughter Isabelle Grasse. Que Dieu te bénisse. God bless you. Mon fils le pasteur Nassis, sois béni, sois béni. L'évangile Camille, mon fils, sois béni. Le pasteur Emmanuel, sois béni. Connectez, partagez sur tous les groupes parce qu'aujourd'hui, on va partager des choses très importantes. We're going to share some very important things. Jacob Israël Ouedraogo, que Dieu te bénisse là où tu es. Mon épouse aussi est connectée, que Dieu te bénisse. Is connected, God bless you. Ma cote et mon amour. Marie, my love. Ma fille Myriam. Daughter Myriam. Depuis l'Allemagne, que Dieu te bénisse. From Germany, God bless you. Également ma fille Ouraga. Daughter Mireille, Ouraga. Que Dieu te bénisse. God bless you. Partagez sur tous les groupes. Share ma fille Lima, que now. Dieu te bénisse. Daughter Lima, God bless you. Oui, vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Ma fille Elose, que Dieu te bénisse. Daughter Elose, God bless you. Oh, vraiment Marcel, que Dieu te bénisse. Marcel, God bless you. Partagez. Cher, la grande duchesse de la Namibie, que Dieu te bénisse. Duchesse of la Namibie, God bless you. Partagez. J'ai besoin qu'on partage au maximum avant que je commence. On se donne encore 5 minutes. Partagez au maximum. Let's give yourself 5 minutes so that you can share it. Le diable a menti. The devil has lied. Continue à partager. On doit monter au maximum à 100 personnes. Écoutez, ce sont des messages qui vont révolutionner quelqu'un qui est dans le ministère prophétique. Nous avons besoin de comprendre ces choses. We need to understand these things. Parce que quelquefois dans le corps de Christ, because sometimes in the body of Christ, et surtout dans le ministère de prophètes, and mostly in the ministry of the prophets, il y a une telle confusion, there's such a confusion, il y a une compétition, there's such a competition, qui n'a pas besoin d'être. That does not
need chacun to be. Doit savoir dans quelle dimension Dieu l'a mis. Dimension God has put. C'est pour cela que je veux vraiment que vous partagiez. That's why I want you to share it all. Partagez sur tous les groupes. Share on all groups. Même si c'est les groupes anglophones. Even into the English speaking groups. Partagez dans leurs groupes. Share it in their groups. Parce que ils vont écouter au travers du diacre. They will listen to what he comes to interpret. Continue à partager, continue à partager, continue à partager. Continue to share. Continue à partager, partager. Continue. Où vous êtes partagé seulement. Partagez sur tous les groupes. Partagez seulement. Share it. Le diable s'est trompé. The devil has made a mistake. Il s'est trompé. He has made a mistake. Wow. Dans peu de temps, on va commencer. We're going to start soon. Le diable s'est trompé. Devil has made a mistake. Prudence Malonga. Prudence Malonga. Que Dieu te bénisse. Bienvenue God sur la plateforme. You. Welcome on the platform. De l'Esprit de Dieu. Of the Spirit of God. Écoutez, continue à partager. Listen, continue to share. Parce que je vais commencer dans peu de temps. Après ce morceau, soon, after this on va rentrer dans le vif du sujet. We'll start now. Continuez, continuez à partager, continuez à partager. Le diable a menti. The devil has lied. Il y a encore sur cette terre. They are still on this earth. Des vrais prophètes. The true prophets. Aujourd'hui, on entend tous les faux prophètes, les faux prophètes, les faux prophètes. There are so many false prophets. Il y a des vrais prophètes. There are still some true ones. Alors, so. Sans plus tarder, on va commencer. Without any more delay, we're going to start. Et donc, continuez encore à partager dans tous les groupes. Continue to share in all groups. Afin que nous puissions aujourd'hui nous édifier. In order for us to edify one another le today. Le corps de Christ a besoin d'être enseigné. The body of Christ needed to be taught. Le corps de Christ a besoin d'avoir les révélations afin de pouvoir exceller, c'est-à-dire dans leur ministère ou dans la vocation dans laquelle le Seigneur les a établis. The body of Christ needs to receive some revelation so that they can excel into the ministry or into the calling that the Lord has given them. Il y a plusieurs ministères. There are many ministries. Mais aujourd'hui, je veux m'axer sur le ministère de prophète. But today I want to emphasize into the ministry of the prophet. Puisque moi-même je suis appelé au ministère de prophète. Since myself I'm called to the prophetical ministry. Et je crois personnellement. And I believe personally. Que Dieu m'a fait grâce. That God gave me grace. De pouvoir avoir, c'est-à-dire certaines expériences avec le Seigneur. To be able to have some experience with the Lord. Et je crois également and I also believe que le Saint-Esprit that the Holy Spirit m'a enseigné des choses, has taught me things, c'est-à-dire dans le ministère, in the ministry, qui m'ont permis de comprendre comment ce ministère fonctionne. How this ministry works. J'ai béni Dieu I bless God pour certains hommes de Dieu for some men of God qui ont été aussi une, c'est-à-dire une bénédiction pour moi who've been a blessing to me parce qu'ils ont pu contribuer aussi sur certains plans. Because they are able to contribute also into supplanting about the ministry. Voilà pourquoi je veux d'abord commencer d'abord
à dire à tous ceux qui sont appelés au ministère des prophètes. That's what I want first to start saying to all those who are called to the ministry of the prophets. Et la première chose que je voudrais dire avant de commencer. The first thing that I want to say before I start. C'est que il faudra surtout ne pas copier. That mostly you should not copy anyone. Tu dois d'abord chercher à comprendre dans quelle dimension Dieu t'a mis. You must first start to understand in which dimension God has put you. Parce que si tu commences à vouloir faire comme un autre prophète. Because if you start to try to do like another prophet, tu risques de passer à côté de ta dimension. You may miss out your own dimension. Vous savez, même dans le corps, c'est-à-dire dans le corps de la médecine. You know, even into medicine. Il y a, c'est-à-dire tous les docteurs. They are all doctors. Ont tous des blouses blanches. They all wearing the white uniforms. Mais ils n'ont pas tous, c'est-à-dire la même vocation. The same calling, the same specification. En réalité, quand tu rentres dans un hôpital, in fact, when you get into an hospital, tu peux voir, you can see plusieurs docteurs. Many doctors. Mais tu vas te rendre compte qu'ils ont des spécialités. But you realize that there are some specialties. Voilà pourquoi je veux parler de cela parce que en tant que prophète de Dieu, that's why I want to speak about it because as a prophet of God, il faut d'abord déterminer d'abord ta vocation et surtout ta la dimension dans laquelle Dieu t'a mis. You need first to understand your calling and mostly the dimension to which God has put you. Tous les prophètes n'exercent pas de la même manière. All the prophets are not exercising the same way. Et il faut comprendre une chose. And you have to understand one thing. Oh, il y a mon fils Frank Salim Yomba, le prophète. Que Dieu te bénisse. Frank Salim Yomba, my son, God bless you. Depuis Abidjan. Écoutez, Abidjan. Il faut qu'on comprenne ça. You have to understand this. Parce que aujourd'hui, because today, on a l'impression que tous les prophètes, you have the impression that all prophets, c'est-à-dire, sont sortis d'une même mère. Come out from the same mother. Or, en réalité, but in fact, chacun a quelque chose de spécifique. Everyone has something specific. Et Dieu te met dans une dimension dans laquelle tu dois, c'est-à-dire, évoluer. God put you into a dimension to which you must evolve. Et quand tu évolues dans cette dimension, and when you evolve in that dimension, c'est alors que tu vois ton ministère, c'est-à-dire être béni. Now you see your ministry now to be blessed. C'est pour cela que je reviens sur le fait que, that's why I come back into the fact that, ne copie pas. Do not copy anyone. Mais tu peux demander à un prophète. But you can ask a prophet, qui est dans une autre dimension, who is into another dimension, de prier pour toi, to pray for you, afin de te communiquer ici sa grâce. In order to communicate unto you also his grace. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. But there's one thing that you must understand. Quelquefois Dieu t'appelle à quelque chose de spécifique. Sometimes God calls you into some specific things. C'est pour cela que ce soir je veux parler aux prophètes. That's why this night I want to speak to the prophets. Je crois personnellement. I believe personally que je peux parler aux prophètes. That I can speak to the prophets. Parce que Dieu m'a enseigné des choses. Because God has taught me et things. Et dans le ministère. In the ministry, j'ai compris que ce n'est pas la longueur d'année du ministère qui fait d'un prophète un prophète de Dieu. I understand that it is not the length of the ministry that makes a prophet of God. C'est surtout ce que le Saint-Esprit fait avec la personne. Mostly what the Holy Spirit does with the person. Alors écoutez-moi bien. So listen to me carefully. On va commencer d'abord. We'll start first. Par prier. By praying. Père, je voudrais dans le nom de Jésus, Father, I would like in the name of Jesus, te recommander, to recommend unto you, maintenant cette étude, now this study, que tous ceux qui sont connectés, that all those who are connected, reçoivent, receive, une grâce particulière, a special grace, et que Seigneur, and that Lord, leur dimension, their dimension, puisse exploser, can explode, de manière in such à a way, pouvoir renverser les œuvres du diable, they will be able to bring down the works of the evil, nom, and give glory to your name, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ. Merci Seigneur. Thank you Lord. Amen. Amen. Donc je tenais à saluer. So I want you to greet. Je tenais à saluer tous ceux qui sont connectés. All those who are connected. Je vous en supplie, continuez à partager. Please continue to share the thing. Parce que vous devez savoir une chose. Because you must know one le thing. Le corps de Christ, the body of Christ, a besoin des authentiques prophètes. Needs authentic prophet of God. C'est pour cela qu'aujourd'hui, that's why today, il y a des prophètes. There are some prophets qui sont dans une dimension. Into a dimension. Mais parce que le monde, but because the world, considère des prophètes, consider some prophets qui doivent agir de cette, c'est-à-dire de telle ou telle manière. They have to act in this that way. Ils ne peuvent plus être dans leur dimension. They can no longer be into their own dimension. Et ils sont en train de maintenant de vouloir copier quelque chose que Dieu n'a pas donné. And they're trying to copy now something that God hasn't given them. Et c'est là que ça crée un problème. And that's what creates a problem. C'est pour cela que je sens dans mon esprit. That's what I feel in my spirit. Que je dois parler des 8 dimensions. That I must speak about the 8 dimensions. Et tu es prophète, tu vas te reconnaître. And you are a prophet, you will recognize yourself. Et si tu te reconnais dans la dimension que Dieu te met. If you recognize yourself into the dimension that God has put you. C'est dans cette dimension tu dois exceller. It is in that dimension.
dimension that you must exhale. Bien aimé, c'est pour ça la Bible nous parle de l'école de prophètes. That's what the Bible speaks to us about the school of prophets. Pourquoi? Why? Parce que tous les prophètes ont quelque chose de particulier. Because all prophets have something specific. Mais lorsqu'ils se mettent ensemble, but when they put themselves together, quand ils prient ensemble, when they pray together, il y a communication, there's communication de dimension, of dimensions. C'est pour cela que that's why. Je vais d'abord commencer d'abord par la première dimension. I want to start first with the first dimension. La première dimension. The first dimension. J'appelle ça le prophète qui encourage. I call it the prophet who encourages. Vous voyez dans le livre de 1 Corinthiens. You know in the book of 1 Corinthians. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthians chapter 14. La Bible nous dit ceci. The Bible tells us this. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapter 14. Au verset 3. On the verse 3. Celui qui prophétise. Au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. But he that prophesy speaks unto men to edification and exhortation and comfort. Alors, ça c'est la première dimension. This is the first dimension. Écoutez-moi très bien. Hear me properly. Un prophète de Dieu. A prophet of God. Il vient pour édifier le corps de Christ. He comes to edify the body of Christ. Il a des paroles. He has some words. Qui peuvent réveiller quelqu'un qui est abattu. That can wake up someone who's down. Il a des paroles. He has some words. Qui peuvent consoler quelqu'un qui est abattu. That can comfort someone who's down. Il a des paroles. He has some words. Qui peuvent donner l'espoir à quelqu'un qui est détruit. That can give the hope to someone who's completely destroyed. Voyez-vous, ça c'est la première dimension. You see, this is the first dimension. Cette dimension, that dimension, c'est la dimension où is the dimension which Dieu envoie God send des prophètes, prophets pour aider, to help, édifier, edify, consoler, comfort, encourager, encourage des personnes, people qui en fait, who in fact sont désespérés, desperate, sont déçus, sont attristés, they are sad. Sont brisés. They're broken down. Alors les prophètes, so the prophets ont parfois des paroles pour ces personnes. Sometimes word for those people. Ça c'est la dimension du prophète qui encourage. This is the dimension of the prophet who encourage. C'est pour cela que je vais vous dire. That's why let me tell you. Un prophète. A prophet. À part que il peut donner le jugement, mais on va revenir là-dessus. Apart from the fact that he can give a judgment, will you come back to it? Il te donnera une parole. He will give you a word. Lorsque tu es abattu. When you are down. Pour te relever. To get you up. Il te donnera une parole. He will give you a word. Pour te donner l'espoir. To give you the hope. Il te donnera une parole. He'll give you a word. Pour t'encourager dans les moments les plus difficiles. To encourage you in the very difficult time. Parce que le prophète. Because the prophet. Il est établi pour le corps de Christ. He's been established for the body of Christ. Bien aimé. Beloved. Avant de parler de, c'est-à-dire de des dons qui te permettent de voir. Before you can speak about the gift that allows you to see. D'abord, l'homme a besoin d'entendre des choses qui vont bénir son cœur, qui vont lui donner l'espoir. First, man needs to understand to hear things that are going to bless his heart and are giving hope. Parce que c'est pour ça que moi personnellement. That's why myself personally. Je crois personnellement. I believe personally. Que tout prophète appelé par Dieu. That any prophet called by God. Doit avoir des paroles pour édifier le peuple. Must have words to edify the people. Il doit avoir des paroles pour encourager le peuple. Must have words to encourage the people. Mais c'est pas toujours des paroles pour briser les gens. But it's not always words to break people down. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Je me souviens. I remember. Des années passées. Years in the past. J'étais allé dans une église. I went into a church. Et dans l'église où j'étais allé. In the church I went to visit. J'étais avec mon épouse. I went with my wife. Et en ce moment, tu es nouveau chrétien. And at that time you were new born Christian. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. Now listen to what was going to happen. Pendant que. While. On était en train de faire. On était dans le service. We are attending the service. Il y a une sœur. There was a sister. Qui est venue. Who came. Et qui. And a donné une prophétie. She gave a prophecy. Et cette prophétie. And that prophecy. Était en train de dire. Was saying. À moi, mon épouse. To my wife. Que Dieu va la frapper de mort. God is going to strike her down with death. On était, nous deux, on était choqués. Two of us. Both of us were shocked. Dieu va frapper mon épouse de mort. God is going to hit her by death. Ah! Mais écoutez-moi très bien. But listen to me carefully. On a quitté ce culte. We left that service.
Et mon épouse était complètement détruite. And my wife was completely destroyed. Parce qu'elle s'est demandé, mais pourquoi Dieu va me tuer? Because she was asking herself, why is God going to kill me? Si je te laisse pas servir Dieu, il va me tuer. If I don't let you serve God, he's going to kill me. Mais moi, je n'ai jamais dit que je veux pas que tu serves Dieu. But I never said that I want you to serve God. Cette prophétie ne venait pas de Dieu. That prophecy wasn't coming from God. C'était une prophétie que le diable. It was a prophecy avait that the devil. Au travers de cette sœur qui avait un esprit de python. Has brought through that sister who had the spirit of Python. Maintenant, moi, je vais vous expliquer quelque chose. But now I'm going to explain to you something. Dans cette même église, in that same church, Dieu m'envoie maintenant là. God will send me now there. Parce que une parole qui sort, il y a une autre parole qui doit sortir. Because when a word comes out, another word has to come. Again, Dieu m'envoie dans cette église. God sent me in that church. Ce jour-là, je suis allé voir un pasteur. Je lui ai demandé, accompagne-moi là-bas. On that day, I went to see another pastor and I said, please come with me there. Donc, il m'a accompagné. So he went with me. Et leur culte, c'était un culte de, je crois, c'était le culte de vendredi. And that service was, I believe, a service of Friday. Et lorsque, and when, je suis arrivé, I went there. Je me suis assis derrière. I sat at the back. Et j'ai regardé le culte. And I was watching the service. Je suivais le mouvement. I was following everything. Et pendant que je suivais le mouvement, and while I was following everything, il va un moment donné, it will come a time, ils vont rentrer dans une louange. They will enter into a praise. Et then, cette sœur qui avait donné la prophétie, and that sister that gave the prophecy, elle a commencé un mouvement bizarre. She started a strange move. Parce qu'elle avait un instrument qu'on appelle chez nous aoko. Ça c'est les Baoukis. Aoko, it is the people back home that know. Mais façon elle faisait, by the way she was acting, j'ai senti de mon esprit, I felt my spirit, que ça venait pas de Dieu, à quelque chose qui ne fonctionnait pas. Wasn't coming from God, there was something wrong there. Et le Saint-Esprit me dit, and the Holy Spirit telling me, lève-toi, stand up, prophétise, prophesy, et brise l'esprit de Python, and break the spirit of Python. Et quand j'ai dit, and when I say, je brise l'esprit de Python, break the spirit of Python, automatiquement, automatically, cette même sœur, the same sister, qui a prophétisé, who prophesied, est tombée, she fell down, une autre est tombée, another one fell down, une autre est tombée, another one fell down. Dans l'église, c'était le chaos technique. Total chaos. Donc tous les gens te rampaient. So all the people that were rolling now. Chasser. I started to cast tous les esprits. All the spirits. The Python. Of Python. Et le pasteur. And the pastor. Était fâché. Was upset. Parce qu'il s'est dit. Because he said to voilà himself. Voilà un homme qui vient dévoiler. This is a man who comes for a ce que je fais. What I'm doing here. Mais je vais vous dire quelque chose. Let me tell you something. On reconnaît un vrai prophète. We recognize a true prophet. La manière à laquelle il va te parler. The way in which you're going to speak to him. Notre Dieu. Même listen, quand nous God, pêchons. Even when we sing. Oh my God. Même lorsque nous péchons, even when we sin, Dieu nous aime. God loves us. Dieu veut nous ramener and God à lui. Wants to bring us up to him avec l'amour. With love. Dieu ne menace pas. God does not threaten. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Alors, so, ce qui s'est passé là-bas, what's happened there, m'a amené à comprendre, made me understand, que dans le monde spirituel, that in the spiritual world, c'est pas tout le monde qui se dit prophète qui est de Dieu. It is not all the people who call themselves prophets who are of God. C'est là que j'ai commencé à comprendre. That's when I started to understand. Et Dieu m'a dit, je vais t'enseigner. And God told me, I will teach you. Alors écoutez-moi très bien. So listen to me carefully. Un prophète. A prophet. Il est là pour encourager. He's there to encourage. Il est là pour, c'est-à-dire édifier, fortifier, encourager celui qui est abattu. Encourage the one who's down. Bien-aimé. Beloved, quelquefois on a besoin sometimes we need que Dieu nous parle. God to speak to us. Quelquefois on est confus. Sometimes we confuse. Quelquefois on est fatigué. Sometimes we tired. Mais on a besoin d'une parole. But we need a word. Je suis passé dans des moments. I went through times. Dans le ministère très difficile. In a very difficult hard time. Et je vais vous dire dans ces moments les plus difficiles. And let me tell you those hard times. Quelquefois même Dieu ne te parle pas. Sometimes God does not even say what to you. Parce que tu passes dans la, ça dit tu passes dans le moulin de Dieu. Because you're going through the threshold of God. Alors à un moment donné. So there came a time. Lorsque j'entends qu'il y a tel homme de Dieu qui est là. When I hear that there's such a man of God who's there. Un programme. Who's having a program. Je pars là-bas. I'm going there. Pourquoi? Why? Parce que j'avais besoin de recevoir une parole. Because I needed to hear a word. Une parole qui allait m'encourager. That will encourage me. Bien aimé, j'arrive là-bas. Beloved, I get there. Et l'homme de Dieu dit toi. And the man of God says you. Voici. This is. Prends courage. Take courage. Dieu avec toi. God is with you. Automatiquement. Straight away. Toute la tristesse. All the sadness. Le découragement. The discouragement. Disparaît. Disappears. Parce que j'avais besoin de cette because parole. Because I needed that word. Écoutez-moi très bien. Hear me properly. La première chose qui caractérise d'abord un prophète. The first thing that characterizes first a prophet. C'est d'abord le prophète qui encourage. Is the prophet who encourages. Qui ravive la foi. He revives the faith. Qui t'amène. Who brings you. C'est-à-dire à reprendre courage to et ne pas abandonner. And not to give up. Est-ce que quelqu'un me suit? Someone hear me. Ça c'est la première dimension. This is the first dimension.
La deuxième dimension. The second dimension. C'est le prophète qui proclame. Is the prophet who proclaims. Un jugement. A judgment. C'est là où les gens n'aiment pas les prophètes. That's why people they don't like prophets. C'est là où les gens n'aiment pas les prophètes. They don't like prophets. C'est là où that's where les hommes men n'aiment pas les prophètes. Don't like prophets. C'est là où les prophètes ont des problèmes. That's why prophets they got problems. Le prophète, the prophet, il proclame, he proclaims aussi un jugement. Also a judgment. Bien-aimés, beloved, on a trop de prophètes. We got so many prophets. Dans le musulman aujourd'hui. Jokers today. Il faut que les gens comprennent. People have to understand. Quel est le rôle d'un prophète? What is the role of a prophet? Et je parle des dimensions. And I'm talking about the dimensions. Afin que chacun comprenne. In order for everyone to understand. Le ministère des prophètes. The ministry of the prophets. Si on les tue. If we kill them. Si aujourd'hui on les détruit. If today we destroy them. C'est parce qu'ils sont sous de bénédiction. Because they are a source of blessing. Amen. Maintenant regardez bien. Now look. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 le verset 10. In the book of 1 Samuel chapter 3 verse 10. Vous savez l'histoire d'Élie? You know the story of Elijah? Élie, Elijah était un sacrificateur. Was a priest. Et vous savez ce qui va se passer? And you know what was going to happen? Élie, Eli, dans la maison de Dieu. Eli in the house of God. Il avait ses fils. He had his own son. Et ses fils. And his sons. La Bible dit qu'il couchait avec les femmes dans le temple. The Bible says that they were sleeping with a woman in the temple, Eli. Et pendant que ces choses se faisaient, while those things were taking place, le père ne parlait pas. The father wasn't saying a word. Et maintenant, and now, la Bible me dit, the Bible tells qu'il y a un prophète qui va naître. That there was a prophet that was going to be born. C'est le prophète Samuel. It's the prophet Samuel. Maintenant, écoutez-moi bien. Now hear me properly. Le prophète Samuel naît. The prophet Samuel was born. Sa mère Anne. His mother Anna confié was going to give le prophète Samuel, the prophet Samuel à Élie, to Eli. La Bible me dit, the Bible tells me, que le prophète Samuel n'avait pas la faculté d'écouter la voix de Dieu. Did not have at time the ability to listen to the voice of God. Et lorsque Élie va lui apprendre, and when Eli was going to teach à écouter la voix de Dieu, hear the voice of God, c'est alors then que Dieu va parler. God will speak. Bien aimé, je vais vous beloved, dire quelque chose. Let me tell you something. Il y a des jugements. There are some judgments qui sortent de la bouche d'un homme, d'un prophète. That comes out of the mouth of a prophet. Même si lui ne veut pas le faire, even him he doesn't want il est poussé to speak, à parler. Je l'arrive. He's pushed to speak. I'm coming to it. Alors écoutez-moi bien. So listen to me carefully. Lisons ce passage. Let's read this scripture. Donc 1 Samuel chapitre 3 le verset 10. 1 Samuel chapter 3 from verse 10. L'Éternel vint et se présenta, il appela comme chaque fois Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. And the Lord came and stood and called as all the time, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, speak for thy servant here. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici que moi je vais faire en Israël une chose qui fera que les deux oreilles de quiconque l'entendra t'interrompt. And the Lord said to Samuel, behold, I will do a thing in Israel at which both the ears of everyone that hear it shall tingle. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison, et je commencerai et j'achèverai. And in that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end. Je lui ai déclaré que je vais moi-même condamner sa maison à perpétuité à cause de la faute qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables sans qui les ait réprimés. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knows, because his sons made themselves vile and he restrained them not. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais la faute de la maison d'Élie ne sera expiée, ni par les sacrifices, ni par des offrandes. And therefore I have sworn unto the shalom, house of Eli, prophète, that the iniquity Ezekiel of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering forever. Shalom, prophet Ezekiel. Alors écoutez-moi bien. Then hear me properly. Lorsque Samuel se réveille, when Samuel woke up,
Voilà le message qu'il doit donner à Eli, qui est son père spirituel. This is the message he has to give to Eli, who is his spiritual father. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Si quelqu'un est prophète, if someone is a prophet, il doit comprendre la dimension de son ministère. He must understand the dimension of his ministry. Eli était sacrificateur. Eli was a priest. Eli était le père spirituel de Samuel. Eli was the spiritual father of Samuel. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que Dieu va faire? What will God do? Dieu dit au jeune Samuel. God is telling the young Samuel. Tu vas parler. You will speak. Tu vas parler. You will speak à Eli. To Eli. Et tout ce que je t'ai dit. And everything that I've said to you. Tu vas le dire avec, c'est-à-dire sans que un seul mot tombe en terre. You're going to say it. Without any word escaping. Donc le jugement doit tomber. So the judgment has to fall. Vous commencez. Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Someone understanding what I'm saying. Maintenant je vais vous dire quelque chose. Now I'm going to tell you something. Tu peux avoir. You might have. Ton père spirituel. You might have your spiritual father. Mais si ton père spirituel n'est pas dans la vérité. But if your spiritual father is not in the truth. Que le Seigneur te dit parle. That the Lord is telling you. Tu seras obligé de parler. You will be obliged to speak then. Vous savez pourquoi on a beaucoup de problèmes? You know why we have so many problems? Parce que certains prophètes, because some prophets, ne veulent pas parler lorsqu'on leur dit de parler. Don't want to speak when they are told to speak. Et c'est pour ça que, and this is why, beaucoup de personnes n'arrivent pas à changer. Many people are not able to change. Lorsque Samuel a parlé à Eli, when Samuel spoke to Eli, il a eu peur. He was afraid. Et Eli lui dit, and Eli told him, ne me cache rien. Don't hide from me anything. Quel que soit le verdict. Whatever the punishment. Dis-moi ce que Dieu dit. Tell me what God says. En réalité, in fact, Eli savait qu'il y avait des conséquences. Eli knew that some consequences were coming. Bien-aimé, beloved, en tant que prophète de l'Éternel, as a prophet of the Lord, je vais vous donner I'm going to un exemple simple. A simple example. Un jour, one day, j'étais au culte. I was at the service. Et le service tirait à sa fin. And the service was coming to the end. Et le Saint-Esprit, and the Holy Spirit, me dit, told me, prophétise, prophesy sur on les pasteurs, the pastors, la ville de Londres, of the town of London, qui, who, déshonore mon nom, dishonor my name. Je vais agir, I'm going to act, sans délai, without any more delay. Quand j'ai ouvert ma bouche, when I opened my mouth, le peuple était étonné. The people, they were surprised. Parce que le peuple, because the people, ne s'attendait pas à ce qu'une prophétie sorte là. A prophecy to come out there. Et j'ai commencé à prophétiser. And I started prophesying. Ainsi parle l'Éternel. So says the Lord. Vous les pasteurs de la ville de Londres, the pastors of the town of London, qui déshonorez Dieu, dishonoring God, sans tarder, without any more delay, le jugement de Dieu va tomber. The judgment of God will start falling. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Le jugement de Dieu, God's judgment, peut tomber, can fall, même si tu n'es pas là. Even if you are not present. Si j'en arrive, I'm coming to it. C'est pour ça que faites attention aux prophètes. That's why you must be careful to prophets. Vous savez ce qui va se passer? You know what was going to happen? J'ai fini de sortir le message de Dieu. Finish now to release the message of God. Mais lorsque j'ai parlé, but when I've spoken, c'est maintenant, it is now, que je vais comprendre, that I will understand, le Dieu, the God de la Bible, of the Bible, il est dangereux. It is dangerous. C'est pour ça que ceux qui s'amusent avec l'évangile de those Jésus, those who play, who joke with the gospel of Jesus. Je vous dis, faites attention. I'm telling you, be careful. Écoutez, listen. La prophétie est sortie. The prophecy was released. La prophétie est sortie. When the prophecy was released, la semaine passe. The week went on. Le dimanche qui suit, the Sunday after, il y a un homme de Dieu. There was a man of God dans son église. In his church, il est assis. He was sitting down. Il attend qu'on l'introduise. He waiting to be introduced. Il est mort. And he died. Écoutez-moi bien. Hear me properly. Il est mort. He died. Il y a un autre. There was another one. Et ça s'enchaînait maintenant semaine par semaine. And this was coming now week after week. Un autre. There was another one. Les deux servaient Dieu. The two were serving God. Monsieur, madame. The man and his wife. Et la femme, and the woman, a commencé à faire la direction. Starting now to do the direction. À la chair. At the puppet. Elle est tombée, boom. She fell, boom. Elle est morte là. And she died right there.
La semaine qui a suivi, week after, il y a eu encore une autre mort. There was again another mais one. Tout ça, c'est pas en deux, c'est à l'église. Was happening inside the church. Vous savez ce qui va se passer? You know what was going to happen? Il y a des pasteurs. There are some pastors qui ont dit à leur assemblée. They told their assembly. Allez chercher votre église. Well, go and look for another je church. Je suis pas pasteur. I am not a pastor. La crainte de Dieu. The fear of God. A rentré dans le cœur. De ces faux pasteurs. Those fake pastors. Alors je vais vous dire quelque chose. So let me tell you something. Les prophètes. The prophets. Ils amènent le jugement de Dieu. They bring God's judgment. Tous ceux qui ne craignent pas to Dieu. All those who do not fear God. Écoutez. Listen. Il y a des gens. There are some people. Qui pratiquent le mysticisme. Who practice mysticism. La sorcellerie. Witchcraft world. La franc-maçonnerie. Freemasons. Mais eux. But them. Quelquefois ils viennent dans les églises. Sometimes they come inside churches. Et se font passer pour des chrétiens. And they pretend to be Christian people. Dieu leur donne le temps de repentance. God give them time to repent. Mais quand ils veulent pas. But when they do not want. Quand le prophète parle. When the prophet speaks. C'est terminé. It is done. Le jugement tombe. The judgment falls. C'est pour ça. That is why. Les prophètes sont persécutés. Are persecuted. Sont persécutés. Persécuted. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne. That's why we have to understand que un prophète. That a prophet. Il donne. He gives. Il encourage. He encourages. Mais il a des paroles de jugement. But he has word of judgment too. Si toi, if you, tu es prophète, you are a prophet. Ce n'est pas simplement, it is not only, avoir les révélations, to have revelation, mais c'est de savoir aussi, but it is also to know, recevoir les instructions et parler, how to receive the instruction and to speak. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, and that's why today, on a un problème dans le corps de Christ. You have a problem in the body of Christ. Je vous ai dit, il y a différentes dimensions. I told you there are different dimensions. Il y a différentes dimensions. There are different dimensions. Lorsque je parlais d'encourager, when I was speaking about encouraging, j'ai vu des couples, I saw couples, qui étaient prêts à exploser, ready to blow up. Mais net que je parle but avec as eux, as soon as I speak to them. Terminé. It's finished. L'esprit de divorce a déjà disparu. The spirit of divorce gone. Et l'amour s'installe. And the love now take place. Je les encourage. I encourage them. Écoutez. Listen. Les prophètes sont pas là pour diviser the les foyers. The prophets are not there to bring division inside households. Les prophètes sont pas là pour détruire les foyers. The prophets are not there to destroy households. Ils sont pas appelés à ça. They are not called for that. Non. No. Ils sont appelés à bâtir les foyers. They are called to build up households. Ils sont appelés. They are called à faire asseoir les foyers. Bring the household now to be strong. On va continuer. We will continue. Écoutez. Listen. Troisième dimension. A third dimension. C'est le prophète qui donne des directives. It's the prophet who gives directives. Troisième. Third. Dimension. Dimension. C'est le prophète. The prophet. Qui donne les. Who gives. Directives. Directives. Alors, écoutez. So, listen. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, le verset 8. When we read in the book of 1 Samuel, chapter 9, verse 8. Je lis la parole du Seigneur. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici que j'ai sur moi le cas d'un sic d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. And the servant answered Saul again and said, behold, I have here at hand the fourth part of a shekel of silver that will I give to the man of God to tell us our way. Alors, c'est l'histoire. So this is the story du roi Saül, of the king Saul, qui avait perdu les ânes de son père. He lost losing the donkeys of his father. Alors avec son serviteur, so with the servant, ils sont allés à la recherche. They went to look for them. Et puisque ils ne pouvaient pas trouver les ânes, because they couldn't find those donkeys, ils ont décidé d'aller voir. They decided to go and see le prophète. The prophet. Et c'est ainsi and this is how que son serviteur va dire, ah, j'ai quand même quelque chose, allons voir le prophète. His servant will say to him, well, I have something. Il va nous donner les directives. He will give us directives. Afin qu'on retrouve les ânes. In order for us to find the good donkeys again. You know the story. Et il va leur dire, and he will tell them, les ânes sont été déjà the donkeys been found. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. So I'm going to explain to you something.
La troisième dimension d'un prophète. The third dimension of a prophet. C'est de donner des directives. Is to give directives. Bien-aimé. Beloved. Vous savez pourquoi? You know why? La Bible dit. The Bible says. Mon peuple périt. My people is destroyed. Par manque de connaissance. By the lack of knowledge. Dans la connaissance. In the knowledge. Il y a des paroles de direction. There are some word of directives. Alors beaucoup de personnes. So many people. Ont des problèmes. They have problems. Parce qu'ils n'ont pas reçu des directives. Because they did not receive the directives. Pour savoir où ils doivent aller. To know where they have to go. Ils ne savent pas. They do not know où s'arrêter. Where to stop. Quelquefois, sometimes, ils savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. They don't know what they should be doing. Voilà le ministère de prophète. This is the ministry of a prophet. Le prophète demande à Dieu. The prophet asks God. Et Dieu lui dit. God tell him. Et il te dit. And he tells you. Maintenant, quand toi tu obéis. Now, when you obey, c'est Dieu. It is God. Dieu que tu as obéi. You been obeying to réussis. God. And you shall succeed. Le problème. The problem. C'est qu'aujourd'hui. Is that nowadays. Nous n'avons pas des prophètes qui donnent des directives. We don't have prophets who give directives. Je vais revenir là-dessus. I'll come back to it. Parce que je vais vous expliquer pourquoi on a des problèmes aujourd'hui dans le corps de Christ. Because I'm going to explain to you why we have nowadays problems in the body of Christ. Parce que. Because. Aujourd'hui on reconnaît plus un prophète. Today we recognize more a prophet. Qui peut regarder dans ta vie. Who can look into your life. Au lieu que les personnes peuvent voir dans le prophète, quelqu'un qui peut te donner des directives. Someone who can give you directives. Donc voilà pourquoi. So this is why. On a trop de problèmes. We got so many problems. Le prophète. The prophet. Il est une bénédiction pour le corps de Christ. He's a blessing for the body of Christ. Je vous parle pas des faux prophètes. I'm not speaking to you about those fake prophets. Parce qu'il y en aura toujours. Because there will always be. Mais le problème c'est pas les faux prophètes. But the problem is not about the fake ones. Moi je parle des vrais prophètes. I'm talking about the true ones. Et les vrais prophètes. And the true prophets. Premièrement, firstly, ils doivent aussi te donner des directives. They must also be able to give you directives. Je donnerai l'exemple. I'll give the example. J'ai une de mes filles. I have one of my daughters. Au niveau de son ministère. At the level of the ministry. J'ai, quand je suis allé là-bas. When I went there. J'ai vu certaines choses. I've seen things there. Je l'ai appelé. I saw the things that I called her. Et je lui ai dit. And I told her. Au niveau de ton église. You know about the church. Voici des choses que Dieu me montre. This is things that God is showing me. Voilà les directives que je te donne. This is the directive that I'm voici giving ce que you tu now. Dois faire. This is what you should do. Fais ceci. Do this. Fais cela. Do that. Fais cela. Do this. Et tu verras. And you shall see. Mais elle aussi elle est prophétesse. But her also she's a prophetess. Et c'est là je reviens sur quelque and chose d'important. That's why I come back about something important. Un docteur ne peut pas se soigner lui-même, s'opérer lui-même. Cannot operate himself, cannot heal himself. Quelquefois, sometimes, un prophète a besoin d'avoir un autre prophète. A prophet need to have another prophet. Parce qu'il y a des choses que toi, because there are things that yourself, tu peux voir. You may see. Mais quelqu'un qui est à côté de toi peut voir aussi on yourself also can see on you. Et donc beaucoup de prophètes. So many prophets. Pense qu'ils n'ont pas besoin d'autres prophètes. That they do not need any other prophets. C'est un grave problème. It is a serious problem. Et ce qui fait que beaucoup ont des problèmes. And which means that many they have problems. Donc, pendant que moi je lui parle. So while I'm speaking to her. C'est-à-dire, non seulement je suis son père. Not only I am a father. Je lui donne des conseils. I give her advice. Je lui donne des instructions. I give her instructions. Pour que son so ministère tienne. A ministry will stand firm. Elle m'a pas écouté. She did not listen to me. Elle a pris ça en amusement. She took it as a joke. Ce que je lui ai dit. What I told her. Est arrivé. Came. Pas une fois. Not once. Pas deux fois. Not twice. En réalité. In fact. Le problème. The problem. C'est parce que. It is because. Les gens ne savent pas reconnaître les vrais prophètes. People do not know how to recognize the true prophets. Alors écoutez, un prophète, so listen, the prophet, il est là is there pour te donner des directives. Give you directives. Il est là pour te donner des directives. He's there to give you directives. Mais si tu ne veux pas écouter, but if you don't want to listen, c'est fini. It is finished. Tu auras des problèmes. You have problem. C'est pour cela. That is why. Jésus dit. Jesus vous says, avez tué mes prophètes. You have killed my prophets. D'abord tu tues un prophète first quand tu ne l'écoutes pas. Kill a prophet when you don't listen to him. C'est comme si tu n'écoutes pas Dieu. It's as if you're not listening to God. Quand un prophète te parle, il n'a pas de Dieu. Speak to you from que tu God, ne l'écoutes pas. And you're not listening. Tu le tues. You are killing him. Tu le tues pourquoi? You are killing him. Why? Parce que tu détruis. Because you are destroying. Ce que Dieu veut faire. What God wants dans to do vie. In your life. Et beaucoup de personnes. And many people. N'écoutent pas. Are not listening. Ils veulent pas des directives. They don't want any directives. Ils veulent vivre comme eux ils veulent. They want to live the way they ils want. Ils veulent faire ce que eux ils veulent. They want to do what they want. Selon leur conception. According to their own conception. Parce que d'autres se disent. Because some they say to themselves. Je prie aussi. I'm praying too. Je jeûne aussi. I'm fasting too. Je me parle. God speaks to me too. Doucement. Easy. Hey. Hey. Il y a dimension. There are dimensions. Doucement. Go easy. Un prophète. A prophet. S'il te parle. If he speaks to faut you. Faut pas écouter. Don't listen. Tu vas comprendre. You will understand.
Bien-aimé, beloved, est-ce que Élie, is that Eli, n'était pas un sacrificateur? Was a priest? Dieu ne lui parlait pas? Was God not speaking to him? Mais le prophète, but the prophet, Samuel, il est né prophète. Was born prophet. Et là encore, je vais donner un enseignement sur les différents types de prophètes. Écoutez-moi bien. Il est né prophète. He was born prophet. Il commence à parler. He starts speaking à celui qui est censé être son père. Who is meant to be his father. Et ce qu'il a dit, ça comment? And what he said came to pass. C'est pour ça que faisons attention. That's why let us be careful. C'est pas parce que tu penses que tu es it trop arrivé. Because you think that you are already there. Qu'on peut pas te parler. That no one can speak to you. Je me rappelle. I remember. Je suis chez moi à la maison. I was at home. Dieu me parle d'un homme de Dieu. God speaks to me about a man of God. De la ville de Londres. On the town of London. Il était en vogue. He was, you know, very famous. C'était un homme de Dieu. He was a man of God. Qui avait who had une grâce particulière. A special grace. Un homme de l'onction. A man of the anointing. Un homme qui attirait les foules. A man who was drawing the crowds. Bien-aimé. Beloved. Plus Dieu t'élève. More God elevates you. Plus tu dois faire attention. More you have to be careful. Parce que plus tu montes. Because upper you go. Plus si tu tombes, tu vas mal tomber. Upper if you fall down, you will fall down from high. Maintenant, écoutez-moi bien. Now listen to me carefully. Je suis chez moi. I was at home. Et Dieu me dit. And God told me. Va le voir. Go and see him. Va le prévenir. Go and warn him. Parce qu'il y a quelque chose qui se trame contre lui. Something that is happening behind him. Afin qu'il. In order for him. Prenne des dispositions. Take some disposition. Partagez la vidéo, partagez this video. Partagez. Please share. Alors moi je me lève. So myself I get up. Selon le message de Dieu. According to God's message. Je m'en vais voir l'homme de Dieu. I'm going to see the man of God. Mais à cette période, but at that period of time, il était tellement dans une position so much in a position of height que moi je suis qui? Who am I? Pour venir lui parler. To come and speak to him. Je suis qui? Who am I? Bien-aimé, beloved. Plus tu montes, higher you go, plus tu dois être humble. More humble you should be. Alors, so, j'arrive là-bas. I get there. Il avait plein de protocoles. He had a lot of protocol around him. On dit oui. They said yes. Je suis venu voir l'homme de Dieu. I said I've come to see the man of God. Dites-lui que le prophète Ngoma. Tell him that the prophet Ngoma has to speak to him. Et vous savez, pendant que je suis en train de parler, while I'm speaking, ils me font asseoir. They make me sit down. D'accord, il va te recevoir, il va te recevoir. See you, he will see you. Pour le moment, il est en train de faire la délivrance d'une sœur. He's doing the deliverance of a sister. Je dis ah bon? I said really. Okay. Je suis assis. I am sitting down. Dehors, outside. Avec with une sœur qu'ils ont mis à côté de moi pour me tenir compagnie. Outside so that she will keep me company. Et pendant ce temps, and during this time, l'homme de Dieu est en train de faire la délivrance avec son équipe. He's doing his deliverance with the team. Je suis dehors. I am outside. Et moi, je suis en train de dire à la sœur. And I'm telling the sister. La sœur qui est dedans là-bas. That sister, you are doing the deliverance. Voilà le problème qu'elle a. This is the problem she has. Voilà l'esprit qu'elle a. This is the spirit there. Et je commence à détailler. I start now to give details. And alors, so 45 minutes après. 45 minutes later. Un de ces protocoles sort. One of the protocol came out. Il dit, ah, mais ça pas. He said, ça a pas été facile. Well, hein? It hasn't been easy. Oh, c'est un cas sérieux. This was a serious case. Et il commence maintenant à expliquer. And he start now to explain à la sœur. To the sister. De quel esprit la sœur est arrivée. The other woman had. Et la sœur lui dit. And the sister answered him. Mais le prophète. But the prophet. Il m'avait déjà dit. He has already told me. Dès le départ. From the beginning. Quel était le cas. What was the case in there. Il m'a regardé l'étonné. He looked at me. Est-ce que je peux rencontrer l'homme de Dieu? Can I now meet the man of God? Il dit non, l'homme de Dieu se repose. He said, now the man of God is resting. Il est fatigué. He's tired. À Londres. In London. Les hommes de Dieu, l'homme le connaissent. The man of God of men. The of à Londres. In London. J'ai dit se repose. I said he's resting. J'ai dit dis-lui. I said tell him. Que le prophète Ngom s'en va. That the prophet Ngom is leaving. Mais quand la chose arrivera. But when the peace will come. Faudra pas qu'il pense. He should not think. Que Dieu a oublié. That God has forgotten. Je suis parti. And I left. Le temps. By the time. Est aussi un nom de Dieu. The time is also God's name. Quand un prophète de Dieu, the prophet of God, the true one, sa bouche et puis parle. Open his mouth and speaks. Faites attention. Be careful. Je parle pas des prophètes yamayama, les amusements. Jokers, je parle de ceux qui ont payé le prix, qui ont été appelés réellement par Dieu. Those who have paid the price and are called truly by God. Il n'a pas écouté. He did not listen. Ça n'a pas duré. And it did not take long. Tout allait bien. Everything was okay. Mais un matin. But one day.
Bia. Dans l'église. In the church. Une petite fille. A little girl. A exposé le monsieur. Exposed the man. Il sortait avec elle. He was sleeping with her. Ça a cassé l'église. This broke the church. Ça a cassé son mariage. This broke his marriage. Ça a cassé tout. Broke everything. Pour ceux qui sont à Londres, savent de quoi je parle. For those in London, they know what I'm talking about. Mais Dieu m'avait envoyé pour l'avertir. But God sent me to warn him. Beaucoup ne veulent pas se laisser avertir. Many don't want to be warned. Mais un prophète est là pour te donner des directives. But a prophet is there to give you directives. Et si toi tu ne veux pas écouter? And if you don't want to listen. C'est ton choix. This is your own choice. Mais tu paieras le prix. But you will pay the price then. Maintenant, écoutez-moi bien. Now listen to me carefully. Son ministère a été complètement ravagé. Completely destroyed. Mais Dieu voulait éviter ça. But God wanted to avoid this. Pourquoi les gens ne respectent pas les prophètes? Why people are not respecting the prophets? Parce que because ils veulent pas qu'on leur dise la vérité. They don't want the truth to be told. Ils veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils font. They don't want them to be told. Voilà le seul problème. That is the true problem. Alors, so la troisième dimension d'un prophète, the third dimension of a prophet, c'est te donner des directives. Is to give you directives. Bien-aimé, beloved, acceptez les directives. Accept directives qui viennent that come du trône de Dieu, from God's throne, de la bouche d'un vrai prophète, from through the mouth of a true prophet. Parce que because ça permet this à ce que tu sois sauvé. You to be saved. Huh. Maintenant, now quatrième dimension, fourth dimension. Le prophète, the prophet, qui révèle les secrets des cœurs, who reveal the secret of hearts. Ça c'est ça que tout le monde aime. That's what everybody likes. Donc quand on dit quelqu'un est prophète, so when you say someone is a prophet, j'ai vu quoi? What did you see about? J'ai vu quoi? What did you see? non. Ça c'est ce que tout this le monde is aime. What everybody likes. Bien aimé, beloved. C'est qu'une dimension ça. This is only a dimension. Le prophète, the prophet, qui révèle les secrets des cœurs. The secret of the heart. Bien-aimé, beloved, si tu es prophète et puis tu n'as pas cette dimension, and you don't have this dimension, les gens m'ont dit que tu n'es pas un prophète de Dieu. People are going to say that you are not a prophet of God. Mais écoutez-moi bien. But listen to me carefully. On n'a qu'à apprendre. We should learn à connaître un vrai prophète. To know a true prophet. Le prophète, the prophet, il ne peut que dire, he can only say, ce que Dieu lui montre, what God shows him, ce que Dieu lui dit, or what God told him. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. La Bible me parle d'Élisée. The Bible speaks to me about Elisha. Il a été hébergé par une femme. He was hosted by a woman qui n'avait pas d'enfant. Who did not have the children. La Bible me dit, the Bible tells me, que il a demandé à son fils Gehazi, his son Gehazi, cette femme là, qu'est-ce qu'elle that veut? That woman, what does she want? Qu'est-ce qu'elle veut? What does she need? Qu'est-ce qu'elle a besoin? What does she need? Veut-elle que je parle d'elle does aux autorités? Does she want to speak about her to the authorities? Gehazi lui a dit non. Hein? Gehazi told him no. Elle a besoin. She needs d'un enfant. A child. Bon, écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Si c'était un voyant, if he was a seer, pourquoi? Why? Il demande à Gehazi. He's asking Gehazi. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Arrêtez de devenir ce que Dieu ne vous a pas donné. Becoming what God has given you. Arrêtez de devenir. Let's stop becoming ce que Dieu vous a pas donné. What God hasn't given you. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Élisée dit. Elisha said. Il est clair. It is clear. Gehazi. Gehazi. Elle veut quoi? What does she want? C'est une question. It is a question. S'il savait, il allait poser la question. If he knew, would he ask the question? Bon. Quand il lui a dit. When he told him. Que elle a that she has pas d'enfant. She has got no children. Il dit appelle là. He said okay call her. Et il lui dit. He tell her. L'année prochaine. Next year. À la même période. At the same period of time. Tu auras. You will have un fils. A son. La parole du prophète s'est accomplie. The word of the prophet came to pass. Mais la femme a dit. But the woman she said. Ne me trompe pas. Please do not deceive me. L'enfant aura un problème. The child will have a problem. La même femme. The same woman. S'en va rencontrer le prophète. She's going to meet the prophet. Le prophète voit la femme venir de loin. The prophet sees the woman coming from far. Maintenant, écoutez bien. Now hear me. Il dit à Gehazi. He said to Gehazi. C'est pas la femme là qui arrive là. Isn't that woman coming? Gehazi dit. Gehazi said. Oui. Yes, it is her. Il dit bon, va sa rencontre. Go and meet her. Et cherche à savoir de quoi il s'agit. Find out what is wrong. Mais si le prophète savait, the prophet knew, est-ce qu'il allait lui dire d'aller? He told him to go. Je suis en train d'expliquer quelque chose de très important. I am explaining something very important. Parce que because si quelqu'un qui est prophète, someone who is a prophet, n'est pas soumis à Dieu, is not submitted to God, tu vas créer toi-même. You're going to create yourself.
tes prophéties. Your own prophecies. Mais j'arrive. But I'm coming to it. On n'a pas encore fini. You haven't finished yet. Gehazi s'en va. Gehazi goes ahead. La femme lui dit, pardon, the woman tells him, please, move tout va bien, je m'en vais rencontrer. Everything is okay. I'm going to quand see elle the arrive, when she gets there, devant Élisée, before Elisha, elle tombe à ses pieds. She falls on his feet. Elle attrape ses pieds. All the feet. Et elle commence à pleurer. And she starts crying. Et elle lui dit maintenant, and she tells him now, l'enfant là, the child est mort. Is dead. Je t'avais dit, I told you, ne me trompe pas. Do not deceive me. La Bible dit, the Bible says, que Élisée, Elisha, Élisée a dit, Elisha says, Dieu m'a caché God cela. God has hidden this thing from me. Donc ça veut dire quoi? So this means ça veut dire que le prophète, this means that the prophet ne peut que voir, can only see, ne peut qu'entendre, can only hear, si Dieu le lui montre God ou si Dieu lui dit. Or if God tells him, arrêtons de faire comme les supers hommes. Pretending as we are supermen. On est soumis au Saint-Esprit. We are submissive to on the Holy est soumis Spirit. À la parole de Dieu. We are submitted to the word of c'est God. Dieu qui révèle et it c'est God Dieu qui nous dit. C'est what Dieu say. Qui montre et c'est ce que nous dit. And that's what we say. Mais à cause de ça, but because of this, d'autres sont devenus des charlatans. Some they become charlatans. Dieu ne t'a rien dit. God hasn't told you anything. Tu parles. You speaking. Dieu ne t'a rien montré. God hasn't shown you anything. Tu dis que Dieu t'a you montré. You said that God has shown you. Voilà pourquoi on a this beaucoup de problèmes. A lot of problems. Alors écoutez-moi bien. So listen to me carefully. En tant que prophète, as a prophet, ce n'est pas tout je vois. It is not everything that I see. Si quelqu'un dit les prophètes, il voit tout. If someone says that he's a prophet, he sees everything. C'est qu'il ment. That means he lies. Dieu ne te donne pas tout. God does not give you everything. Arrêtons un peu. Let's stop a bit. Soyons un peu humble. Let us be humble a bit. Voilà pourquoi on a beaucoup de problèmes. This is why we have a lot of problems. Et ils commencent à inventer. And they start making up things. Raconter des choses qui ne sont même pas vraies. Things that are not even true. Mais je vais revenir là-dessus. But I'll come back about it. Donc, so, révéler les quoi? To, les secrets des the secrets, to revive the secret mais of ça, heart. But this, c'est le Saint-Esprit. It is the Holy Spirit. Et je vais vous donner un exemple. And I will give you an example. Le prophète qui révèle les secrets the des cœurs. The prophet will reveal the secret of the heart. Je peux donner plusieurs exemples. I can give many examples. Mais je vais vous donner un exemple and qui est venu à mon esprit. An example that came to my spirit. Un jour au culte, one day at the service, on avait une sœur qui était venue avec un homme. We had a sister who came with a man. Quand la sœur venait avec l'homme, when the sister came with the man, tout allait bien. Everything was okay. Mais à la fin du service, at the end of the service, Dieu me dit, God told me, va parler à l'homme là. Go and speak to that man. Va parler à cet homme. Go and speak to that man. Va lui parler. Go and speak to him. Je dis, mais Seigneur, I said, Lord, je dois lui dire quoi? What shall I tell him? Va lui dire, go and tell him, qu'il peut tromper les that hommes. He can deceive men, mais il ne peut pas tromper but Dieu. He cannot deceive God. En temps, meanwhile, l'église que je dirigeais the à cette church that I was directing at that time, c'était une église fragile. Was a very fragile church. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, mais there ils étaient encore people, ils étaient there, pas assis dans la foi. They were not sitting in the faith. Donc il y a des révélations so directes there are some direct revelations qui peuvent perturber les choses. That can disturb things. Ça peut même mélanger l'église. Can even bring vision in the church. Donc je discute maintenant avec le so Saint-Esprit. Now I'm talking to the Holy Spirit. Et Saint-Esprit. I said the Holy Spirit. Bon, laisse-moi appeler le monsieur let là après. Let me call the man aside a bit. De côté, je vais lui parler. I will speak to him. Le Seigneur ne dit pas question. What if he said no way? Dis ça publiquement. Say it publicly. Et Saint-Esprit. Holy Spirit. S'il te plaît. Please. À la troisième fois. At the third time. Il dit, je ne te répéterai plus he ça. He said, I will not repeat this again to you. Je préfère obéir à Dieu. I'd rather obey to God. Qu'obéir aux hommes. Than obey to men. Je préfère obéir à Dieu. I'd rather obey God. Que craindre les hommes. Than fear men. Quand Dieu me dit de parler. When God said to me to speak. Je vais parler. I will speak. Ça te plaît? It displeases you. Pas. This does not please you. Moi, je sais. I know what va me justifier. That will justify me, and it's not only once. Revenons sur l'histoire. So let's come back to the story. Quand j'ai parlé, when I spoke, le frère ouvert ses yeux. The brother opened his eyes like this. Maintenant, les membres de l'église. Now the members of the church. La sœur elle-même. The sister herself. Fâchés. They were all upset. Je suis venu l'exposer. To expose him. On dit, moi, j'envoie quelqu'un à l'église. I'm sending somebody in the church. Et puis moi. I'm bringing je viens to l'humilier devant and tout and le monde. The prophet come to humiliate him in front of everybody else. Pardonnez. Please. Apprenez à connaître les prophètes. Let's learn to know prophets. Si ça dépendait de moi, if it was depending on me alone, j'aurais pas parlé. I would not have spoken. Mais le Seigneur m'a dit. But the Holy Spirit told me. Parle direct. Speak devant tout le monde. In front of everybody. Parce que Dieu voulait. Because God wanted. Il y a un témoignage. A testimony to be. Qui allait arriver. That would come. Oh. But net que j'ai fini de parler. As soon as I finished to speak, il y a eu en même temps dans l'église. There was at the same time in the church.
Une rébellion qui s'est formée. A rebellion now that took place. La sœur est fâchée. The sister was already upset. Pourquoi? Why? Moi. On me. Je suis mauvais. I'm bad. Moi. Me. Je suis venu l'humilier. I've come to humiliate her. En tout cas. Well. Le monsieur même veut la marier. The man wants to marry her. Et moi, je ne sais pas par ma façon de faire ça. And by my way of doing things without any wisdom. Je veux casser l'église. I want to break the church. Je veux chasser le monsieur. I want to cast away the man. Donc, ils ont fait un complot. So, they make a plot. Et les gens ont commencé à quitter l'église. And the people started to leave the church. On souffre, hein? We're suffering. Pour la vérité. For the truth. J'ai dit OK. I said OK. Le dimanche qui arrive. Next Sunday. L'église est vide. The church is empty. Et j'entends dans la ville. And I hear in the town. Qu'ils ont fait des groupes là-bas. That they made some groups there. Oh. Oh. Affaire d'église. About the church. Mais. But. Le Jésus que je sers. The Jesus that I serve. M'a toujours justifié. Always justifies me. Maintenant écoutez-moi bien. Now hear me. Pendant cette période-là, during this period, je me battais, I was fighting, pour faire avancer l'église. I was struggling for the work of God to progress. Écoutez, listen, un prophète qui n'est pas établi sur l'église, was not being established on the church, ne peut pas connaître les réalités de l'église. Cannot know the realities of the church. Mais un prophète qui est établi sur l'église, but a prophet who has been established on the church, il apprend à connaître la vie de l'église. Know the life of the church. Un homme de Dieu, a man of God, qui n'a pas une église, wasn't got a church, il peut faire ce qu'il veut quand il entre dans l'église des autres. He can do what he wants when he enters to other people's church. Prophète Lambert, que Dieu te bénisse, fils. Prophet Lambert. Mais un homme de Dieu, but a man of God, qui est sur l'église, who's on the church, comprend le principe, understand the principle, il sait, he knows. Écoutez-moi bien. Listen to me. La douleur de voir les gens quitter l'église. Of seeing people leaving the church. On peut pas expliquer. Well, we cannot explain this. Mais maintenant. But now. Dieu va me montrer quelque God chose. God will show me something. Dans la période. In the period. Où les gens sont partis. In which the people have left. Ils ont cassé mon nom. They spoiled my name. Ils ont sali mon nom. They make my name dirty. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. They did what they had to do. Comme le diable a toujours commencé. C'est son travail. This is the work of the devil anyway. Mais pendant ce temps, but during this time, la parole qui est sortie à the l'église word that came out in the church va opérer dans le spirituel. In the spiritual. Et vous savez ce qui va se passer? And you know what was going to happen? La sœur, the sister, a commencé à vivre, started to live avec le monsieur, with the man, à qui la parole est sortie. To whom that word was addressed. Et à cause de ce monsieur, and because of that man, elle m'a fait des histoires. She caused me trouble. À cause de ce monsieur, because of that man, elles ont gâté mon nom. They spoiled my name. À cause de ce monsieur, because of that man, ils m'ont créé tous les problèmes. They caused me all kind of trouble. Pasteur, il devait que Dieu te bénisse, pastor, soit comblé. God bless you. Alors écoutez-moi bien. So listen to me carefully. Elle vit avec le monsieur. She lives with the man. À un moment donné, time, le monsieur a demandé the man asked s'il pouvait, if he could, elle pouvait aussi héberger sa cousine. Also accommodate his cousin. Et dans la même maison, and in the same house, la cousine est venue vivre avec eux. The cousin was a female one came to live with them. Mais la soi-disant cousine, but the so-called cousin, c'était sa femme du village. Was his wife from the village. Et la sœur, and the sister, n'était pas au courant, wasn't aware, de tout ce qui se tramait derrière son dos. That was happening in the back. Et entre-temps, and during this time, il enceinte la sœur. He made the woman pregnant. Et il enceinte sa femme du and village. He made his wife from the village pregnant too. C'était un enceinteur. He was a man to make woman pregnant. Quand Dieu parle, when God speaks, n'écoute pas. You do not listen. Tu vas comprendre. You will understand. En ce moment-là, at that time, le monsieur savait que c'était gâté. He knew that things were not good. Donc il a décidé, so he decided, de prendre sa femme, to take his wife from the village, et de la faire quitter la and maison, to make her leave the house. Parce que les deux the two of them étaient en train de manifester les symptômes de grossesse. The symptom of pregnancy. Alors, il prend une chambre quelque part, il met l'autre là-bas. He just put the other one over there. Et la sœur n'était pas au courant. And the sister did not know about it. Donc, il a fait simplement faire savoir à la sœur, so he just made the sister know que sa cousine a décidé, that his cousin has decided, de partir, qu'elle les remercie she defend, pour l'aide qu'ils lui ont apporté. For the help that they brought to her. Maintenant, suivez bien. Now follow. Le monsieur reste avec la the soeur. The man stayed with the sister. Jusqu'à ce que la until soeur the sister soit à terme. Will be now in full et le jour où and on the day when
Les os se sont cassés. The water broke. Elle va à l'hôpital. She goes to hospital. Pour aller accoucher. To go and give birth. Il lui dit, avance-toi, j'arrive. Says, go ahead of me, I will join you there. Pendant qu'elle va accoucher, once you're going to deliver the baby, il a pris tous les bagages. He packed all his luggage. Ses bagages. His own luggage. Et puis, il va habiter maintenant chez la femme, sa femme du village. With his wife of the village. La sœur, the sister, elle accouche. She delivered the baby. Elle attend le monsieur. She waiting for the man. Elle ne voit pas le monsieur. She does not see the man. Hey, Seigneur. Hey, Lord. Si les gens écoutaient les prophètes. If people were listening to prophets. Maintenant. Now. Elle rentre à la maison après plusieurs jours. After many days. Elle rentre. She goes home. La maison est vide. The house is empty. Le monsieur, the man, a disparu. Gone. Placard. What the world même wrote, une aiguille n'a pas laissé toutes ses affaires. Did not leave all his luggage. Il a déménagé. He moved out à son insu. What she was over there. Elle l'a plus vu. She no longer saw him jusqu'à again. Jusqu'à ce que l'enfant atteigne 7 ans. The child was 7 years old. C'est là. That's when. Où il revient. He will come back. Parce que après l'autre aussi a accouché. The other one also gave birth. Et maintenant ses papiers sont bloqués. The paper was blocked. Alors il revient maintenant chez la sœur. He come back now to the sister. Pour essayer d'avoir. To try to get les certificats de l'enfant pour pouvoir aller faire ses documents. The birth certificate so that he can go and do his own documentation. Maintenant suivez-moi bien. Now follow me. Les gens s'amusent avec les prophètes. People are joking with prophets. Je suis I am chez moi. At home. Et and quelqu'un m'appelle un jour. Someone called me one day. Ah papa. Ah daddy. Vraiment. Truly. Je dois te parler. I must speak to you. Tu te rappelles? Do you remember? L'année s'est passée là-bas. That year, the past years, tu avais donné un message, une parole pour un monsieur. A word for a man. À cause de ça, and because of this, les gens se sont levés contre toi. People rose against you. Je dis, je me rappelle bien. I said, yes, I remember. Et ton Dieu t'a justifié. And your God has justified you. Comment ça? How come? Et maintenant, on va me mettre now, devant. They will show me toute l'histoire. They will explain me now the whole story. J'ai eu mal dans mon cœur. I felt the pain in my heart. Parce que la sœur pouvait éviter because ça. Because the sister could have avoided such things. Plus tard. Later on. La sœur est venue me trouver. The sister herself came to me. Elle est venue me trouver. She came to meet me. Avec le bébé. With the baby. Ah papa. Ah daddy. C'est ton bébé. Oh. This is your baby. C'est ton enfant. This is your child. Mais un prophète. But a prophet. Ne veut pas qu'un homme périsse. Doesn't want a man to perish. L'enfant n'a rien fait. The child hasn't done anything. J'ai dit, il n'y a pas de problème. I said, okay, no problem. J'ai pris l'enfant. I took the child. J'ai béni l'enfant. I blessed the child. Mais elle, but her, elle a vécu she lived ce qu'elle pouvait éviter. She could have avoided. Pourquoi les gens sont méchants? Why people are wicked? Pourquoi les gens fatiguent why les prophètes? People are disturbing pourquoi people les gens ne veulent pas écouter quand les prophètes parlent? Why people don't want to listen when prophets speak? Le vrai problème, the true problem, c'est qu'elle a payé le prix. Is that she paid the price. Vous comprenez? You understand? C'est pour ça. That is why. Un vrai prophète de a Dieu. A true prophet of God. Il va te parler. He's going to speak to you. Oh, l'homme de bien. Oh, the man of good. Pasteur Alain Tchétché. Pasteur Alain Tchétché. Sois béni là où tu es. Bless where you are. C'est pour ça. That is why. Il est important qu'on écoute. It is important that we listen. Les vrais prophètes. To the true prophets. Bien-aimés. Beloved. En ce qui concerne. About. Le ministère prophétique. The prophetical ministry. Je ne suis pas allé chercher ça. I did not go look for it. C'est Jésus qui est venu me donner. It is Jesus who came to give me. C'est lui qui m'a localisé. It is him who located me. C'est lui qui m'a établi. It is him who established me. Que quelqu'un croie en moi. Someone believe in me. Tu ne crois pas en moi. You don't believe in me. Je m'en fous. I don't care. Mais si Dieu me dit but de parler. God tell me to speak. Quand je parle. When I speak. Je connais les conséquences de ce qui va arriver. I know the consequences of what will come. After. Et c'est pour ça que beaucoup ont des problèmes. For many they have problems. C'est pour ça beaucoup ont des problèmes. For many they have problems. Je vais vous donner encore un témoignage. I'll give you again another testimony. Il y avait there was à cette époque à cette période at that period of time on avait fait une veille de prière. We had a night prayer. Et dans cette veille de prière and in that night prayer les hommes venaient. Men were coming. Les hommes venaient. Men were coming. Mais il y avait un sorcier. But there was a witch qui attaquait les églises à Londres. Was attacking the churches in London. Il y avait même un homme de Dieu there parmi was eux. Even a man of God among them. Quand j'ai dévoilé les œuvres de cet when homme, I exposed the work of that man. Il allait voir le pasteur. He went to see the pastor. Ça c'est une parenthèse. Il allait voir le pasteur. He went to see the pastor. Pour dire que moi j'ai parlé contre lui. I spoke about him. Alors, le pasteur vient me dire, mais comment ça, tu peux parler mal à un homme comme ça? How can you speak c'est un frère en Christ. Brother in Christ. Le pasteur dont je vous parle, the pastor that I'm speaking qui est venu me parler là, who came to speak to me.
Il s'est retrouvé. He found himself. En France aujourd'hui. In France today. Il a mangé des femmes à l'église. He finished with a woman in church. Son église s'est cassée. His church broke down. Mais il n'a pas compris. But he did not understand. Que ce sorcier l'avait déjà affecté. Already affected his life. Quand un prophète parle, when a prophet speaks, il ne parle pas parce qu'il a envie de s'amuser. Just for the, il explique les choses. He explains things. Ma fille Bethel, Daughter Bethel, depuis les États-Unis, from USA. Que Dieu te bénisse. God bless you. Je te vois prêcher, hein, c'est bien, continue comme ça. It's good. Continue like this. Oh, vraiment. Et puis j'ai la prophétesse. And the prophetess. Noé également depuis la France. Noé also from France. Que Dieu te bénisse. God bless you. Allô? So. Hey. Donc à la veille de prière. So at the night prayer. Ce sorcier en question. That which I'm talking about. Il est venu. He came. Et on était en train de louer Dieu. We were praising God. On est rentré dans l'adoration. We entered into the worship. Mais à un moment donné, but he came time, cet homme, that man, commence à attaquer la veille. To attack now the night prayer. Dieu, God, m'ouvre les yeux. Open my eyes. Et puis me dit, and he tells me, proclame, proclaim, une parole, a word, que il tombe, for him to fall. J'ai dit, I said, je me suis levé, I stood up. Tu n'as pas craint Dieu. You did not fear God. Tu es venu au milieu de you nous. You came in the midst of us. Bien vrai que tu n'es pas even though des nôtres. You are not of us. Mais pendant que je parle, and while I'm speaking, voici la puissance de Dieu. This is the power of God. J'ai dit, I'm saying, il est le Saint-Esprit l'a the Holy soulevé. Lift him up. Boom, boom, boom down. En même temps, straight away. Il a dormi toute la veillée. He slept the whole night long. On a fini de faire la veillée. We finished to do the night prayer. Tellement que le feu so était descendu sur lui. Fire came down on him. À cette veillée. At that night prayer. Il a commencé à se déshabiller. He started to remove his old clothes. Pour l'attacher. He had to take the clothes to. Après, il était comme dans le coma. And he's like, he was like in a coma. Et on a prié. And we prayed. On a prié. We prayed. On a prié. We prayed. Quand on a fini. When we finished. À la fin de la veillée le matin. At the end of the night prayer in the morning. On a dit amen. When he said amen. Il s'est levé. He got up. Pourquoi tu n'es? Why am I naked? Tout le monde savait que c'est un sorcier. Everybody knew that he was a witch. On dit mon frère, prends tes bagages, habite-toi tout le camp. Pack your luggage and go. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Un prophète, a prophet, il révèle également, he revealed also, les secrets des cœurs, the secret of heart. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont trop peur des prophètes. That's why there are some people that are so afraid of prophets. Parce qu'il fait sortir ce que toi, he bring up what you, des choses que toi tu caches, things that yourself you hide. Mais oh, but si il les fait sortir, if you bring them out, c'est pour ton bien, it's for your own good. Amen. C'est pour ton bien, it's for your own good. Donc ça c'est la quatrième dimension. This is the fourth dimension. On va parler de la cinquième dimension. The fifth dimension. Hey, cette dimension. This dimension. Il y a pas beaucoup de prophètes qui sont dans cette dimension. There are not many prophets who are in that dimension. Je vais m'expliquer. I will explain to myself. La cinquième dimension. The fifth dimension. C'est la dimension où le prophète annonce les événements. The prophet announces the events. À venir sur les nations. The events to come about nations. Hmm. J'ai entendu beaucoup de prophètes dire. I've heard many prophets saying. Je suis prophète des nations. I'm prophet of nations. Je suis prophète des nations. I'm prophet of nations. Mais même dans la nation dans but laquelle even tu es, the nation to which you are, tu n'as jamais eu une seule révélation. One revelation. Tu es quel genre de prophète? What kind of prophet are you? Écoutez, listen. Si tu es un prophète de l'église locale, prophet of the local church, reste là-bas. Then stay in that local church. Pourquoi tout le monde veut devenir prophète des nations? Why want to become prophet of nations? Tu dis tu es prophète des nations. You say you're prophet of nations. Mais aucune révélation but sur no les nations tu as reçu. On the nation you received. Mais il y a un problème. There's a problem. Il y a un problème. There's a problem. C'est trop facile. Je suis prophète des nations. Je suis prophète des nations. I'm prophet of nations. Bien-aimé. Beloved. Un prophète des nations. A prophet of nations. N'a pas besoin d'être dans une nation. Does not need Dieu lui parle de la nation et ce qui va arriver. For him to, for God to speak to him about the nation, what's going to happen there? Oui, ma fille. Yes, daughter. Ça fait rire. This is very funny. Parce qu'il y a des gens qui fatiguent le corps de Christ. People that disturbing ils aiment les étiquettes. The last prophet of the nation. Prophet des nations. Prophet of the nation. Dans ton village même, là, tu n'as aucune révélation là-bas. You've got no revelation about it. Aucune révélation sur ton village. No revelation tu n'as aucune révélation dans la ville dans laquelle tu es. Tu n'as aucune révélation sur la nation dans laquelle tu te trouves. The nation in which you are. Mais tu es prophète des nations. But you call yourself prophet of nations. Mais arrêtons ça. Let's stop those things. Ça fait quoi si tu dis tu es prophète? What is bad in the fact that you say that you are a prophet? Quand tu parles des nations, tu fais quoi? Speak in nation tu veux parler que tu veux mystifier les gens you, quoi? You want to lie to people now. Arrêtons ça. Let's stop those things.
Trop de plaisanteries dans le corps de Christ. So many jokers in the body of Christ. C'est pour ça que les personnes ont besoin de recadrer. People, they need now to be put back in order. Moi, myself, j'enseigne les prophètes. I teach the prophets. Parce qu'il y a trop de prophètes. Because there are so many prophets. Qui jouent avec le sacerdoce. They're playing with the priesthood. Si Dieu ne te parle pas des nations, parce que ton oreille est fermée. Is because your ears is closed. Tes yeux sont brouillés. Your eyes are completely confused. Sanctifie ta vie. Sanctify your life. Il te parlera mieux. And he will speak to you even Et better. Il te montrera les choses. And he will show you things. Maintenant, écoutons. Now let's listen. Dans le livre de Jérémie. In the book of Jeremiah. 25 à partir du verset 9. Jeremiah 25 from verse 9. Je veux vous parler de ça. I want to speak to you about this. Vous savez, Jérémie. You know Jeremiah. Un prophète qui a souffert dans la main. Is a prophet who suffered in the hands du peuple, of the people. À cause de quoi? Because of what? Il a souffert parce que les révélations qu'il donnait. Because the revelation he was giving. C'était des révélations qui dérangeaient énormément. What revelation that was disturbing a lot. Gloire à Dieu. Glory be to God. Alors, so, on va lire. Let's read. J'enverrai chercher toutes les populations du nord, oracle de l'Éternel, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les vouer à l'interdit et d'en faire un objet de stupéfaction et de raillerie, des ruines éternelles. Behold, I will send and take all the families of the north, save the Lord, and Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants thereof, and against all these nations round about, and will utterly destroy them, and make them an astonishment, and an hissing, and a perpetual desolation. Je ferai disparaître parmi eux les chants d'allégresse, et les chants de joie, les chants de fiançailles et les chants de la fiancée, le bruit et la meule et la lumière de la lampe. Moreover, I will take from them the voice of the mirth and the voice of the gladness, the voice of the bridegroom, the voice of the bride, the sound of millstones and the light of the candle. Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. And this whole land shall be a desolation and an astonishment, and these nations shall serve the king of Babylon 70 years. Alors écoutez-moi bien. So hear me properly. Le prophète Jérémie, the prophet Jeremiah, il prophétise, he prophesies sur des événements qui allaient arriver sur la nation. That are going to happen on the nation. Il leur fait savoir, he made them know, que Dieu va les déporter. That God is going to deport them. Et qu'il y a un roi qui va arriver. And that there will be a king qui va combattre, he will fight la nation, the nation, et il va déporter and le peuple. He will deport the people. Je vais vous dire quelque chose. Let me tell you something. Les fanatiques. Those fan people. Comment on les appelle même là? Ceux qui sont qui aiment supporter leur pays là. Les people de la patriote. Les patriotes. Those patriot people. Ont trouvé they find que Jérémie était malade. Jeremiah was mad. Suivez-moi bien. Follow me. Jeremiah ne faisait que expliquer ce qui allait arriver. Explaining what was going to happen. Et il leur disait. And he was telling them. Quand ça va arriver. When those things will come. Ne résistez pas. Do not resist. C'est le plan de Dieu. This is God's plan. Dieu a prévu. God has planned. Qu'on soit déporté. That we will be deported. Mais il va nous ramener. But he will bring us back. Est-ce que vous savez? Do you know? Que la, à cause de ça. That because of this. Les sacrificateurs, the priests, les autres prophètes, the other prophets, et tous, all of them, se sont levés contre Jérémie. They rose against Jeremiah. Ils ont voulu même le tuer. They wanted even to kill him. Ils l'ont jeté même dans un puits. They threw him into the pit. On l'a mis en prison. They put him in prison. On l'a fait souffrir. They made him suffer. Mais écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Un prophète de Dieu, a prophet of God, annonce aussi les événements qui arrivent. Also the events that are coming. Que tu le veuilles ou pas, you want it or not, tu peux jeûner. You can fast. Tu peux prier. You can pray. Mais si Dieu dit que ça doit arriver. Ça va arriver.
Come. Maintenant, écoutez-moi bien. Now listen to me carefully. Beaucoup s'amusent avec la bouche des prophètes. Many are playing with the mouth of prophets. Jérémie n'a pas décidé de dire. Jeremiah did not decide mais to say. Mais Dieu a voulu qu'il parle. But God wanted him to speak. Et quand Dieu l'amène à parler, and when God brought him to speak, ça lui a créé des problèmes. It caused him some problems. Ils ont fait venir d'autres prophètes. They brought some other prophets. Pour donner des prophéties contraires à celles de Jérémie. Some prophecies that are contrary to the prophecy of Jeremiah. Jérémie leur a dit. Jeremiah told them. Même si vous ne croyez pas. Even if you do not believe. Vous ça va arriver. These things will happen. Toi qui viens prophétiser. Now you come to prophesy. Pour essayer de ça dit d'endormir le peuple. To try to make the people to sleep. Dieu va régler ton cas. God will solve your case. Ce même prophète est mort. The same prophet died. Il y a des prophètes aujourd'hui. There are some prophets nowadays. Ils sont en train d'endormir le peuple. They are making the people to sleep. Ils veulent pas avertir le peuple. They don't want to warn the people. Ils veulent pas expliquer au peuple. They don't want to explain to the c'est people. Qui va arriver. What is happening? Bien aimé, j'en arrive. Beloved, I'm coming. La Bible me dit. The Bible tells me. Dans Jérémie. In Jeremiah. À partir du chapitre 39. From the chapter 39. Chapitre 9. From the chapter 39. Ce que Jérémie a dit. What Jeremiah said. Va s'accomplir. Will come to pass. Combien d'années après? How many years later? La Bible dit. The Bible says. La 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. In the 9th year of Zedekiah, king of Judah, in the 10th month came Nebuchadnezzar, king of Babylon, and all his army against Jerusalem, and they besieged it. La 11e année de Sédécias, le 4e mois, le 9 du mois, la brèche fut faite à la ville. And in the 11th year of Zedekiah, and in the 4th month, the 9th day of the month, the city was broken up. Bon, maintenant écoutez-moi bien. Now hear me properly. 11 ans après. 11 years after. C'est arrivé. Things happen. Écoutez-moi bien. Listen to me. Le temps de l'homme. The time of man. N'est pas le temps de Dieu. Is not God's time. Beaucoup de personnes. Many people. Le mot même, c'est dire, ils n'ont pas pris au sérieux des prophéties qui leur ont été données. Voilà le mot. Ils ont méprisé des prophéties. Prophecy. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Un prophète. A prophet. Il ne choisit pas le message qu'il does donne. He does not choose the message he gives. Si c'est un prophète de Dieu, if he's a prophet of God, il ne choisit pas le message qu'il donne. He does not choose the message. C'est Dieu qui lui dit. It is God who tells him. Et il dit. And he says it. Mais malheureusement, but unfortunately, beaucoup de personnes, many people, n'écoutent pas. Do not listen. C'est arrivé. And it came to pass. Quand c'est arrivé, when it came to pass, c'est fini. It's done. Maintenant là, now, qui voulait ou pas, they wanted or not, ils ont été déportés. They were deported. C'est pas fini. Isn't it done? Mais ils auraient pu se préparer. They could have prepared themselves. Quand tu ne veux pas recevoir un message de Dieu, to receive a message from God, et que ça vient de Dieu, and that it comes from God, tu veux ou tu ne veux pas, ça va t'atteindre. This will reach you. Et là, ça fait mal. And this is painful now. Le problème, c'est qu'on a the trop de faux prophètes. We have got so many fake prophets. Comme au temps d'Élie. Like at the time of Elijah. Elijah, il était seul. He was alone. Bien que 7000 étaient cachés. Even though 7000 were hidden. Mais il était seul devant 850 prophètes de Baal et Astarté. Before 850 prophets of Baal and Astarté. Ça veut dire quoi? This means what? Ça veut dire. This means. Dans le temps dans lequel on est. The time into which we are. Il y a une. C'est-à-dire. Yeah. Je ne sais pas si je peux dire. I don't know if I should say. Les prophètes polluent de partout. The prophets are coming from everywhere. Mais. But. Parmi tous ces nombreux prophètes. Among all those numerous prophets. Il n'y a pas beaucoup qui sont les vrais. There are not many that are the true one. Il faut qu'on se dise les vérités. You have to tell the truth to each other. On les reconnaît. We recognize them. Parce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui. But what I'm explaining today. Un prophète n'est pas un prophète pour te donner des paroles qui vont t'aider. Always there. Qui vont t'arranger. To give you word that you like to hear. Beaucoup aiment quand on dit des choses qui vont caresser leur oreille. Caresser leur. Non. Non. Un prophète doit te dire les vérités. To tell you the truth. Que tu le veux ou pas, you want it or not, c'est pour ton salut. It is for your own salvation. Le prophète ne choisit pas le message. The c'est Dieu qui lui donne. Message. It is God who gave him the message. C'est pour ça. That is why. Les prophètes ont des problèmes. The prophets they have problems. Si c'est Suzanne, God bless Sister you. Suzanne, God bless you. Alors écoutez-moi bien. So listen carefully. Quand nous prenons dans le livre, when we take in the book. Là, c'est pas encore fini, hein? It's not yet finished. Ok. Ésaïe 61. Isaiah 61.
événement. Ésaïe 61. Isaiah 61. Le verset 1. Verse 1. Isaiah 61, verse 1. David dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Amen. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty unto the captive, and the opening of the prison to them that are bound. Écoutez, Esaïe, listen, Isaiah a prophétisé, prophesied, sur un événement, unto an event, qui lui-même n'allait pas voir. That himself he was not going to see. 700 ans plus tard. 700 years later. Jésus arrive. Jesus comes. Cette prophétie. That prophecy va arriver. Will come to pass. Je vous dis. I'm telling you. Nous qui sommes prophètes. As we are prophets. Il y a des messages quelquefois que Dieu peut nous donner. There are some messages that God can on give us. On va pas voir l'accomplissement de ces we messages. We are not going to see the fulfillment of those arrêtons messages. Arrêtons un peu. So let's stop a bit. Soyons un. Let us be humble. Bien aimé. Beloved. Le prophète Kakou Séverin. The prophet Kakou Séverin. Il a prophétisé sur la mais des événements qu'il a expliqué, but there are things that he explained. Lui-même n'a pas vu ça, he il est parti. He did not see those things. Mais ça s'est passé away derrière lui. And those things took place after. Et il y a des choses qu'il a dit qui continuent jusqu'à présent. And there are things that he said that continue to take place till now. C'est pour ça que je veux expliquer that's à quelqu'un. I want to explain to somebody. Un prophète. A prophet. Il a Dieu lui donne des paroles pour les nations. God gives him word for nations. C'est pour ça que quand quelqu'un dit je suis prophète des that's nations, when someone says I'm a prophet of nations, je te dis doucement. I'm going to tell you go easy. Doucement. Go easy. Dieu t'a dit quoi? What has God told you? Dieu t'a dit quoi sur les what nations? What has God told you about nations? Bien-aimé, beloved. Moi je vais vous parler un peu. Myself, I will speak des to you prophéties que Dieu m'a données. About the prophecies that God has given et me. Et puis il y a des gens qui peuvent confirmer. And there are some people who can confirm those things. Avant que le Mali soit before dans ces troubles. Before Mali, that country Mali could be in those on things. On était à l'église. We were in church. Et Dieu me dit. And God was telling me. Au Mali. In Mali, il y aura des événements. There will be some events there. Et il a commencé à me parler de terroristes. Speaking to me about the terrorist et quand j'étais en train de donner and le message, I was giving the message, mon pasteur qui est à l'église, my pastor in church, mon fils, my son, le pasteur Emmanuel, the pastor Emmanuel, il m'a posé la question. He asked me the question. C'est pas le Burkina. Isn't it about Burkina? Puisque à cette période, because at that period of time, il y avait des troubles au Burkina. There was some trouble in Burkina. Je lui ai dit, ça n'a rien à voir le Burkina. I said to him, it's got nothing to je te parle du Mali. I'm speaking to you about Mali. Quand j'ai fini de parler, when I finished speaking, ça n'a pas duré. It did not take long. Le Mali est rentré. Mali entered dans ses troubles. Into those troubles. Jusqu'aujourd'hui. Until today. Ça s'est pas arrêté. It hasn't stopped. Ça c'est un exemple. This is an example. Lorsqu'on parle du printemps arabe, speak about the Arabic je suis allé en Tunisie. I went to Tunisia. Quand je suis allé en Tunisie, when I went to Tunisia, j'ai fait un programme là-bas. I had a program over there. Et j'ai commencé à prophétiser and I started to prophesy sur les événements qui allaient about arriver the event that would come dans les pays arabes. Into those et j'ai commencé countries à dire and I started saying ça va commencer dans la nation. That it will start in the nations, et ça va sauter d'une nation and à une autre. Jump from one nation to another. Et quand j'étais en train de prophétiser, and when I was prophesying, la chose est arrivée. The things happened. Ça a commencé en Tunisie. It started in Tunisia. Tout le monde le sait. Everybody knows le about it. Arabe. Those Arabic things. Mais au moment où je prophétisais, but while I was prophesying, il n'y avait aucun problème en Tunisie et dans aucun pays arabe. And in no Arabic country there. Il faut que vous compreniez. You have to start understanding one thing. Un vrai prophète. A true prophet. On va voir par l'application et par la réalisation des prophéties que Dieu lui met dans son cœur. That God put in his heart. Alors, then, printemps arabe a commencé en Tunisie. Arabic storm started in Tunisia. Ça sautait dans notre pays arabe. It jumped into another ça Arabic sauté country. Et ça sautait. It jumped to another et jusqu'aujourd'hui, and until today, on sait ce qui s'est we passé. Know what happened there. Bien-aimé, beloved, quand il s'agit de prophète des nations, it is about the prophet of nations, moi je connais ma position. I know my position. Je ne veux pas bien dire que je suis prophète des nations. I don't need to say that I'm prophet mais of nations, je connais les messages que Dieu me donne sur les nations. That God, the message that God gave me about the nations. Toi tu es prophète de la Côte d'Ivoire. You're a prophet of the Ivory Coast. Mais tu n'as jamais reçu de message par rapport au gouvernement, par rapport à la nation, par rapport à ce qui va arriver. Regarding the nation, regarding what is going to happen. Tu es quel genre de prophète? What kind of prophet are you? Ne prends pas des titres parce qu'ils doivent prendre des titres. Don't take titles just for the sake of taking titles. Si tu veux devenir un prophète des nations, but if you want to become a prophet, prie que Dieu t'amène à cette dimension. Pray for God to take you to that dimension. Tous les prophètes ne sont pas prophètes des nations. All prophets are not prophets of nations. C'est un mensonge. It is a lie.
faut que je parle. I have to speak. Parce que les gens fatiguent. Because people they getting tired now. Prophète des nations. Prophet of nations. Prophète des nations. Prophet of nations. Prophète des nations. Prophet of nations. À l'église. In church. J'ai prophétisé. I prophesied sur le Cameroun. On Cameroun. Et j'étais en train de dire. And I was saying. Je vois des événements qui vont arriver au Cameroun. I see some events taking place. Il y aura des troubles qui arrivent au Cameroun. Trouble coming in Cameroon. Pendant que j'étais en train de dire ça. While I was saying those things. Il n'y avait aucun problème au Cameroun. No problem in Cameroon. Bien-aimé. Beloved. C'est pas l'esprit de Dieu qui parle. It is the spirit of God that you speak. C'est pas le Cameroun qui est rentré dans Isn't un problème. The Cameroun that entered into a problem. Les sessions, les gens veulent, ils ont pris une partie, ils veulent took a part, l'indépendance. They want to split. C'est pas ça qui a créé le problème au Cameroun. Isn't what caused the problem in Cameroon? Mais pendant que moi je donnais But le message, while I was giving the message, il y avait pas de problème au Cameroun. There was no problem in Cameroon. On voit des prophètes aujourd'hui. You see prophets nowadays. Sur Facebook. On Facebook. Lorsque. When. Ils sentent un peu que il y a une atmosphère. Ils utilisent ça maintenant pour donner des messages. Dieu m'a dit ça. God has told me this. Des menteurs. Liars there. Arrêtez ça. Stop those things. Dieu t'a rien dit. Tais-toi. God hasn't told you anything. Keep quiet. Tais-toi. Keep quiet. Tu n'es pas obligé. You are not obliged. De mentir. To lie. Le Cameroun n'avait pas de problème. The Cameroun did not Au moment où je prophétisais, while I prophesied, j'ai des enfants qui sont là. I have some children there. Ils peuvent témoigner. They can testify of it. En Côte d'Ivoire. In Ivory Coast. J'étais allé en Côte d'Ivoire en 2000. I went in Ivory Coast in 2008. 2008. 2009. 2009. En 2009. In 2009. J'avais été invité dans une église. I was invited to the church. Et dans l'église où j'avais été invité. In the church I was invited. Dieu. God. A commencé à me parler des événements de 2010-2011. About the event in 2010-2011. Et il y avait un corps habillé ce jour-là. And there was a soldier that day there. Et Dieu me dit. And God told me. Il y a un corps habillé qui est là. There's a soldier there. Par lui. Speak to him. C'est comme ça que Dieu va me révéler qu'il y avait un corps habillé. God will reveal me that there was a soldier there. Et le corps habillé est sorti. And the soldier came out. Et Dieu me dit de lui dire. And God told me to tell him. Il y aura des événements qui arrivent. There will be some events coming. C'est maintenant. It is now. Il faut que tu t'accroches. That you have to hang on. Parce qu'il va arriver en Côte d'Ivoire. Because what is going to happen in Côte d'Ivoire. Va perturber la nation. It's going to shake up the whole country. Pendant que je parlais. While I was speaking. Il y avait pas encore la descente. Yet the coming down of those rebellious people. Arrêtons. Let's stop. De prendre des petits éléments visibles, visible elements, et puis les gens prophétisent sur ça. And then people start prophesying about. Tu es un menteur. You are a liar. On n'a pas besoin de ça. We don't need those things. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. If you have nothing to say, tu n'as pas de révélation. Shut up. If you've got no revelation, tais-toi. Shut up. Est-ce que tu as oublié de parler? Are you obliged to speak? Dans cette nation. In this nation. Parce que moi je vous parle des nations dehors. I speak to you mais about the nation de cette nation. But I speak to you about this nation. L'année s'est passée. The year before the last. J'avais prophétisé. I prophesied. Sur l'événement du Brexit. About the event about the Brexit. Et puis j'ai dit. And I said. Quand le Brexit va se mettre en place. When the Brexit will take place. La criminalité. Criminality. Va augmenter dans cette nation. Will rise. Il y a des choses qui vont commencer dans cette nation. Les gens seront choqués. People will be shocked about it. Pour ceux qui sont en Grande-Bretagne, those who are in Great Britain that know about it. En train de poignarder les gens. People are stabbing one another. Partout dans la nation. Everywhere in the nation. À tel point qu'aujourd'hui on considère ça comme une épidémie. We consider it as a plague. Une épidémie. As a plague. Le gouvernement ne sait même plus où mettre la tête. The government they don't even know what to do with it. On tue. They're killing. On tue comme c'est pas permis. The killing has never seen c'est before. C'est que la nation n'avait jamais vécu auparavant. Never experienced before. Un prophète parle d'avance. Speaks in advance. Il prévient d'avance. He warns in advance. Pour que l'église. For the church. Se tient à la brèche pour prier. Stand there and pray. Mais les gens n'écoutent pas. And people do not listen. Ça arrive. And because. Jusqu'aujourd'hui. Until today. Si vous voulez. If you want. Allez. Go. Sur BBC One. BBC One. Et puis regardez les articles. And check those. Vous allez voir, ils vont vous montrer les gens comme poignard. Stop. Mais j'avais parlé de ça. But I spoke about those things. Pourquoi les gens ne comprennent pas quand les prophètes parlent? Parce que les gens ne veulent pas écouter. Because people don't want to listen. Bien-aimé, beloved, j'ai pas été appelé. I wasn't by called nom. By man. J'ai été appelé par Dieu. I was called by God. C'est pour ça. That is why. Que tu écoutes. You listen. Que tu n'écoutes pas. You do not listen. Ça n'engage que toi. This is only for yourself. Mais moi, je sais. Myself, I know. Que si Dieu me donne un message, if God give me a message, je te le donne. And I give that message to you, you will see. C'est tellement simple. It's so simple.
On a trop de problèmes. You got so many problems. Je suis allé à New York. I went to New York. Quand je suis allé à New York, when I went to New York, je suis allé prêcher chez un pasteur à New York. On the pastor, church. Pendant que je suis en train de donner le message, while I was giving the message, Dieu me donne une révélation. God gave me a revelation. Et Dieu me dit, and God told me, dis, tell à l'église, the church, qui se prépare, that they should get ready, parce que, because, il y aura un événement dans la ville de New York, in the town of New York. Il y aura there will be un événement, an une event, catastrophe naturelle qui arrive. Catastrophe that is coming. Pendant que je donnais le message, while I was giving the message, il n'y avait pas de catastrophe. There was no catastrophe pour les menteurs, you, the liars, vous attendez toujours qu'il y ait un événement. Vous commencez à dire, Dieu m'a dit. An event, you start saying, God told un vrai me, prophète, a true prophet, il prophétise avant les événements. He before et the on event, voit ce qu'il a dit, si ça arrive ou pas. What he said that to come to pass or not. Quand j'ai fini, when I finish, le pasteur m'a dit, the pastor even said, on va commencer à se mettre à la brèche. Start now praying. Quand j'ai pris mon vol, when I took my je suis revenu sur la Grande-Bretagne. I came back on Great Britain. Ça n'a pas duré. It did not take long. Il y a eu quoi? There was what? Inondation. A flood. À New York. In New York. Tout le monde connaît cette everybody histoire. Knows about this story. Ça remplit même les bouches de métro. C'était even, grave. Even the underground, it was serious. Alors arrêtons. So let's stop. Des gens qui attendent seulement les occasions pour dire non, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Tais-toi. God has told you what? Shut up. C'est pas forcé. It is not by force. Il y a des dimensions. There are dimensions. Si Dieu t'a pas amené dans cette dimension, God doesn't take you to that dimension. Reste dans ta dimension. You remain in your dimension. C'est pour ça qu'on a des problèmes. That's why we have problems. C'est pour ça que je vais vous dire quelque that's chose. Why, let me tell you something. Un prophète, a prophet, il explique les choses. He explains things. J'ai prophétisé. I prophesied. Sur des pays comme la Mozambique. On country like Mozambique. C'est parce que même il y a beaucoup de it's choses, même even beaucoup de prophéties, même que many prophecies that quelquefois les gens n'écrivent pas. People do not write them down. Mais quand je commence à prophétiser sur les nations, when I start prophesying on nations, on voit le résultat. We see the result. Dieu fait. God does it. Mais c'est pour que les gens intercèdent. But it is for the people to intercede. Donc, so, ça c'est la cinquième dimension. This is the fifth dimension. La sixième dimension. The fifth dimension, the sixth c'est le one. Prophète qui avait the dit. The prophet who warns. C'est le prophète qui the prophet avertit. Who warns. Vous croyez que le prophète n'avertit pas? You think that the prophet does not warn? Le prophète avertit. The prophet warns. Avant que le danger arrive. Before the danger to come. Le prophète il t'avertit. The prophet warns you. Il doit t'avertir. He must warn you. Il est une sentinelle. He is a watcher. Il est celui qui doit sonner la trompette. Sound the trumpet. Mais il y a des gens qui ne veulent pas se laisser avertir. People that don't want to let them say warned. Vous croyez que quoi? What do you think? Vous croyez que quoi? What do you think? Il y a des gens qui veulent que les bonnes there's nouvelles. Some people they only want to receive good news. Bien-aimé. Beloved. Le prophète avertit. The prophet warns. Si tu te laisses avertir, let yourself warn, ça va t'aider. Si tu ne veux pas te laisser avertir, you don't want to let yourself tu vas payer le prix. You'll pay the price then. Il t'avertit pour que tu te prépares. He warns you for you to get ready. Lisons. Let's read. Acte 21. Acte 21. Acte 21. Acte 21. Et on va lire à partir du verset. And we start reading from verse. Le verset 8. Verse 8. Parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous avons demeuré chez lui. And the next day, we that were of the Paul's company departed, and came unto Caesarea, and we entered unto the house of Philippe the evangelist, which was one of the seven, and abode with him. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. And the same man had four daughters virgins which did prophesy. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que je déclare, le Saint-Esprit, l'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. And when he was come unto house, he took Paul's girdle
and bound his own hands and feet, and saying, thus says the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man of the own disgarded, and shall deliver him unto the hands of the Gentiles. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Un prophète nommé Agabus. A prophet named Agabus. Vient trouver Paul. Come to meet Paul. L'apôtre Paul. The apostle Paul. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose. That's why let me tell you something. Je vous ai dit dès le départ. I told you from the beginning. Écoute, tu peux être apôtre. Listen, you could be an apostle. Tu peux être bishop. You could be a bishop. Tu peux avoir tout ça dit tout all the, les titres que tu the veux. Title that you want. Mais si le prophète doit te parler. If the prophet has to speak to il you. Il va te parler. He will speak to you. Il va te parler. He will speak to you. Samuel, un enfant, a child, on lui dit, parle à ton père, speak to your father, et donne les sanctions, and give the punishment. Dieu n'est pas là pour s'amuser. God is not there to play around. Si tu es père que toi-même tu ne respectes pas, if you're a father and not yourself, you do not respect yourself. Dieu va utiliser le prophète pour te parler. God will use the prophet to speak to you. C'est pas encore fini. It is not yet finished. Parce que vous savez, because you know. Quand tu ne considères pas le prophète, when you do not consider the prophet, tu peux faire ce que tu veux. You can do what you want. Mais quand Dieu se lève, but when God rises, le même que tu ne considères the same pas, that you do not consider, tu vas le considérer tout you suite. Will consider him. Parce que tu vas comprendre. Because you will understand que ce n'est pas la même personne. That it is not the same person. Comme d'autres since some, dorment avec des prophètes dont ils pensent que c'est l'ami. Some prophets that believe that it is only the friend. Comme d'autres, because le prophète parle avec tous les gens, d'autres pensent que c'est l'ami. Some defend that it is only the friend. Comme d'autres, because of some, ils sont proches du prophète, donc ils pensent que the prophet, so defend that ils peuvent faire n'importe quoi avec la personne. All kind of things with the person. Fais attention. Be careful. Les prophètes sont dangereux. The prophets are dangerous. Il y a pas petit prophète. There's no small prophet. Petit ou grand, c'est dangereux. Big, they are all dangerous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'amuse dans la maison de Dieu. Les gens font n'importe quoi. People that do all kind of things. Agabus dit à l'apôtre Paul. Say to the apostle Paul. Mon ami. My friend. Ta ceinture, la donne moi ça. Your tight. Et puis s'attache. Your belt, give him. Et dit, façon, ta said, vie, je suis attaché là. See the way I'm là où tu t'en vas. Where you going? Ils vont t'attacher. They're going to tie you up like this. L'apôtre Paul. The apostle c'est Paul. C'est pas un homme ouin. He wasn't a man anointed. C'est un homme ouin, non? He was an anointed mais man. Mais il n'a pas vu qu'on va l'attacher. But he did not see that he was going to be je dois parler à le ministère. Écoutez-moi bien. Listen to les me. Les prophètes doivent parler à d'autres ministères. To speak to some other ministries. L'apôtre Paul, c'était un homme ouin. The apostle Paul was an anointed man. Mais il n'a pas vu qu'on va l'attacher. Was going to be c'est taken le up. Prophète. It is the prophet. Il va lui dire. Was going to tell him. On va t'attacher. To be tied up there. Pourquoi les gens sont comme ça? Why people are like this? Ils pensent que c'est leur camarade. They think that he is the friend. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes. That's what their problem. Partagez la vidéo. Share the video. Ça va délivrer beaucoup this de gens. Deliver ça va many délivrer people. Les ministères. This will deliver ça va délivrer les hommes de Dieu. This will deliver ça va les amener God. À comprendre la dimension de prophète. The dimension of prophet. Tu ne peux pas être ce que Dieu you ne t'a pas donné. You cannot be what God has given you. C'est tout. That's all. Accepte ce que Dieu t'a donné. Accept what God has given you. Plus tu travailles dans ce que Dieu te donne, plus il ajoute. More he will add things. Maintenant, regardez. Now look. Agabus a prophétisé. Agabus prophesied. Dans le verset 27. In the verse 27. Toujours dans le même passage. Still in the same chapter. Regardez ce que la Bible dit maintenant. Look at what the Bible says now. Vers la fin des sept jours, les Juifs d'Asie l'ayant vu dans le temple, soulevaient toute la foule et portaient les mains sur lui. Mm. And when the 7 days were almost ended, the Jews which were at of Asia went there, saw him in the temple, stirred up the whole people and laid hands on him. En criant, Israélites, au secours, voici l'homme qui enseigne partout et à tout contre le peuple, contre la loi et contre le lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et profané ce lieu saint. Cry out, men of Israel, help! This is the man that teaches all men everywhere against the people and the law and this place. And further brought Greeks also in the temple and have polluted this holy place. Ils l'ont attaché. So they tied him up. Ce que Agabus a dit, what Agabus said, c'est accompli. Came to pass. Ils l'ont attaché. They tied him up. Arrivé à la maison, continue à lire ce passage. When you got home, continue to read the scripture. Ils l'ont attaché. They tied him up. La parole d'un prophète, the word of a prophet, s'accomplit.
come to pass. Quand c'est inspiré par when Dieu. When it is inspired by God. C'est pour cela. That is why. On a trop de faux prophètes. We have so many fake prophets nowadays. C'est pour ça que. That is why. Ça mélange tout le monde. This just disturbs, bring confusion on everybody. Mais quand tu es dans une dimension, but when you are in a dimension, ne cherche pas à faire comme l'autre qui est dans une autre dimension. Don't try to do like the others who is in to another dimension. Tout le monde n'exerce pas dans la même dimension. Everyone does not exercise in the same dimension. C'est pour ça qu'on a des problèmes. That's why we have problems. Mais là, il a averti. But he, here he's been warned. Il lui a dit. He told him. Attention. Be careful. Où tu t'en vas là? Where you going? Problème. There will be problems. Mais qu'est-ce qui se passe? But what is happening? Beaucoup de personnes many people veulent pas qu'on leur parle. They don't want us to tell them anything. C'est pour ça. This is why. Quand tu veux pas qu'on te parle. When you don't want no one to tell you things. Tu vas souffrir. Then you will suffer then. Tu vas souffrir. You will suffer. On t'avertit pour éviter de souffrir. To prevent on t'avertit pour que le malheur qui t'attend ne puisse pas t'atteindre. That is coming to you will not reach you. Voilà pourquoi on t'avertit. This is why we warning you. On t'avertit. We warn you. Pour que ce que le diable est en train de faire, what the devil is planning doing, ne puisse pas, will not se faire, hit you. Mais beaucoup de personnes but ne veulent many pas. Many people don't want. C'est ça qu'on a comme problème. That's what we have as a problem. Et les faux prophètes, and those false prophets, sont venus, they have come, c'est-à-dire endurcir le cœur des gens, harden the heart of people, par leurs mensonges, by the lie, grossier, the greatest lie, comme au temps d'Élie, like at the time of Elijah. C'est pour ça qu'au temps d'Élie, that's why at the time of Elijah, le peuple n'était pas capable, the people were not able, de reconnaître, of recognizing, celui qui est de Dieu, the one who's of God, et celui qui n'est pas de Dieu, the one who's not of God. Voilà le vrai problème. This is the true problem. Mais écoutez-moi bien, but hear me properly. La différence, the difference, entre celui qui est de Dieu, between the one who's of et God, celui qui n'est pas de Dieu, and the one who's not of God, il est capable de faire descendre le feu, able of bringing down the fire, il est capable de faire descendre, he's able of bringing down le feu, the fire, et également, and also, à ramener les cœurs, to bring the hearts, vers Dieu, back to God. Mais les faux prophètes, false prophets, ils ramènent les cœurs, they bring the hearts vers eux, back to themselves. Voilà la différence. This is the difference. C'est des séducteurs. They are seducers. Quand ils parlent, when they speak, c'est pour qu'on voie eux. It's for people to see them. Pas pour qu'on voie celui qui nous a sauvés. Not for the people to see the one Christ. Who saved us, Christ. C'est pour ça. That is why. On ne reconnaît pas d'abord le prophète par les miracles. We don't recognize the prophet first by the miracles. Mais par le message. But by the message. Sinon. Otherwise. Satan aussi fait les miracles. Satan also performs miracles. Mais la différence. But the difference. Entre celui qui est de Dieu. Between the one who is of God. Et celui qui n'est pas de Dieu. And the one who is not of God. C'est comme il te ramène vers Christ. It's how he brings you back to Christ. Comme il te fait sortir du péché. How he gets you out of sin. Comment te fait voir ton état? Make you see your own state. Comment te fait voir l'amour de Dieu en ce qui te concerne? Make you see the love of God regarding yourself. Mais les faux prophètes. But those false prophets. Tout tourne autour d'eux. Everything turns around them. Tout tourne autour d'eux. Everything turns around them. Tout tourne autour d'eux. Everything turns around them. On doit parler d'eux. People have to speak on about doit parler them. D'eux. People have to speak on about doit parler them. D'eux. People have to speak about on doit them. Parler d'eux. People have to speak about them. Doucement. Easy. C'est pas de toi on doit parler. It is not about you people have on to speak. On doit parler de Jésus. People have to speak about Jesus. Toi, c'est qui? Who are you? On reconnaît les vrais prophètes. We recognize the true prophets. Par l'humilité. By the humbleness. Mais les prophètes orgueilleux hautains. Prophets. Attention. Be careful. Faites attention. Be careful. Tout prophète de Dieu. Any prophet of God. Vrai prophète de Dieu. True prophet of God. Est humble. Is humble. Il a la nature de Dieu. He has the nature of il God is humble. Il peut se fâcher. He can get angry parce que because s'il se fâche, if he gets angry, c'est à cause du péché. It is because of the sin. Il déteste le péché. He hates the sin. Comme Dieu déteste like le péché. God hates the sin. Mais but il a pitié du pécheur. He feels pity for the sinner. C'est pour ça. That je veux dire why. À quelqu'un ce soir. I want to say to someone this evening. Laisse-toi avertir. Let yourself warned. Laisse-toi avertir. Let yourself warned. Un vrai prophète. A true prophet. C'est l'humilité. It is humbleness. Écoutez, l'humilité. Listen, humbleness. Peut-être beaucoup n'ont pas compris. Maybe many don't understand. Mais le diable. But the devil. En aucun cas. In no way. Ne pourra être will humble. Will be able to be humble. Il n'a pas ça en lui. He hasn't got that in him.
Même s'il fait des efforts, even if he makes some efforts, il ne pourra jamais être will un. Never be humble. Et tous ceux qui sont les agents du diable, who are agents of the devil, peuvent pas être humble. They cannot be humble. Ils peuvent pas. They cannot. Parce qu'ils n'ont pas la semence because de Dieu. They don't have God's seed in themselves. La Bible dit. The Bible says. Tu ne peux que donner ce que tu as reçu du ciel. Only give what you've received from heaven. Si tu as reçu de Dieu sa vie, if you receive of God his life, c'est la vie de Dieu que tu vas, it is the life tu vas manifester. That you're going to manifest. Mais si tu as reçu, but if you receive la vie du diable en toi, the life of the devil in c'est you, c'est ce que tu vas manifester. Is what you're going to manifest. C'est pour ça que je reconnais that's un vrai prophète. I recognize a true prophet. Pas par, not by, pas par l'onction, not by the anointing, mais par, but by son caractère, his character. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens sont de droite à gauche. People, they're going from left to right. De droite à gauche. From left to right. Et là où on les maltraite. And where they've been mistreated. Là où on les fait du mal. Where people are doing evil to them. Là où on les escroque. Where they've been. Là où on les détruit. Where they've been destroyed. C'est là-bas ils sont accrochés. That's why they hang on like this. Tu es envoûté. You are under spell. Mais là où. But where. On te prend avec amour. You've been taken with love. Où l'homme est humble. The man is humble. Il te conduit dans l'amour he du Seigneur. He leads you in the love of the Lord. Il se préoccupe de ton âme. He takes care of your soul. C'est là-bas là, on n'a pas besoin that's de ça. That's why people they don't need that. Les gens sont méchants. People are wicked. Parce qu'ils ont la semence du diable. Because they have the seed of the devil in themselves. C'est Dieu. If you are of God, tu vas aimer les hommes de Dieu humbles. The humble man of God. Moi, je reconnais Amen. Certains hommes de Dieu. I recognize some men of God. Je connais certains prophètes. I know some prophets. Quand je suis en face d'eux, when I'm in front of them, l'esprit de Dieu me the Spirit of God convinces me il est de Dieu that that prophet is of God humilité. Because of his humbleness. Satan ne pourra jamais être humble. Satan will never be able to be humble. Aucun homme qui sait Satan who serves Satan pourra être humble. Be humble. C'est pas possible. This is not possible. C'est pas possible. This is not possible. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un. That's what I want to say to somebody. S'il te plaît. Please, partage cette vidéo. Share this video. Tu vas aider quelqu'un. You will help someone. Tu vas sauver quelqu'un. You will save someone. Tu vas délivrer quelqu'un. You will deliver someone. Tu vas orienter quelqu'un. You will orientate someone. Donc le prophète avertit. So the prophet warns. Il a. He. Averti. Warns. Septièmement. Seventh. Le prophète annonce. The prophet. La fin des temps. Announces now the end of days. Tout prophète de Dieu. Every prophet of God. Annonce. Announces. La fin des temps. The end of days. Bien aimé. Beloved. On peut prêcher. Hein? You can preach. Mais il y a une chose. But there's one thing. Qui, sur lequel notre foi into which demeure. Our faith remains. Jésus reviendra nous Jesus chercher. Will return to get us. Amen. Et le prophète de Dieu. And the prophet of God. Il donne les messages he gave messages pour préparer le peuple to prepare the people au retour de Jésus. For the return of Jesus. L'enlèvement va se faire. The rapture will take que place. Tu ne crois pas you do not believe que tu crois. Or you believe ça va se faire. It will take place. C'est pour ça that is why tous les prophètes de all Dieu the prophets of God, à un moment donné will come a time, vont commencer à sonner la trompette. They will start sounding the trumpets. Avertir le peuple. Warn the people. Pour leur dire to tell them, Jésus revient. Jesus returns. Changer de vie. Let's change your lifestyle. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. J'ai écouté des prophètes. I've listened to some prophets. Mais il y a des prophètes. But there are some prophets. J'ai compris. I've understood. Qui ne sont pas de Dieu. That they are not of God. À cause de leur message. Because of the message. Leur message. Their message. N'a rien à voir. It's got nothing to do. Avec la fin du temps. With the end of days. Rien à voir avec ça. Nothing to do with it. Bien-aimé. Beloved. Dieu béni. God blesses. Moi-même là, myself, je prêche sur la bénédiction. I preach on blessing. Je donne les enseignements I sur give teaching about it. Mais j'ai compris une chose. But I understood one thing. Tu peux avoir toutes les bénédictions. You can have all the blessings. Mais si tu rates le ciel, but if you miss out heaven, à quoi ça aurait servi? What would have been the point of it? À quoi ça aurait servi? What would have been the point of it? La Bible dit, the Bible says, recherchez premièrement le royaume des cieux. Seek first the kingdom of heaven. Et toute chose, and everything, vous sera donné par, will be given to you, dessus. Afterwards, recherchez premièrement. Seek first. Et puis tout, and everything else sera donné par-dessus. Will be given to you afterwards. En d'autres termes, tu es connecté au royaume. When you are connected to the kingdom, sur la terre, on this earth, tu reçois tout ce que tu as besoin. You receive everything that you need.
C'est pour ça. That is why les prophètes the prophets annoncent le retour de Jésus. The return of Jesus. Les prophètes the prophets annoncent les événements the events qui vont préparer le retour de return Jésus. Of Jesus. Afin que le peuple in order for soit the people préparé. To be prepared. Mais aujourd'hui, but today, le peuple n'est plus préparé. The people is no longer prepared. Le peuple n'est plus préparé. The people is no longer le peuple prepared. Ne pense même the pas que Jésus va revenir. Even think that Jesus will return. Aujourd'hui, today, c'est blessing. It's only blessing. Bénédiction simplement. Blessing simply. Tout est bénédiction. Everything is about blessing. Oh. Voilà pourquoi. This is why. Beaucoup sont en train de se détruire. Many are being destroyed. Prophète Maison, que Dieu te bénisse. Prophet Maison, God bless you. Ma fille la prophétesse Yacine, que Dieu te bénisse. Yacine, God bless you. Il faut qu'on arrive à un stade. We have to come to a stage où tu arrives à la dimension. Which you come to the dimension de voir déjà. Of seeing dans ton esprit. In your spirit que Jésus revient. That Jesus is returning. Si toi tu es appelé you au ministère des prophètes. To the ministry of the prophet. Et que ça tu as perdu ça and de vue. Lost sight of this. Ce que le peuple m'est mort. That's when the people they are dead. Où est la notre foi? Where is our notre foi est basée sur our le retour. Jésus revient. Based on the return. Jesus returns. Et je parlerai de ça. And I will speak about jusqu'à ce que until il revient ou bien moi je vais le tuer. Or I go to meet him up there. Amen, amen. Ce message ne peut this jamais démolir. Can never be old fashioned. Parce que ça fait partie because de notre foi. It is part of our faith. Tous les prophètes de all Dieu prophet of God doivent prêcher must preach la fin des temps. The end of days. Préparer le peuple prepare de Dieu. The people of God. Mais il y a des gens. But there are some people, a, ce message, tu ne vas pas entendre message, ça. You never hear that. Du 1er janvier from the 1st of January, au 31 décembre, the 31st of January, on ne parlera pas December, de ça. They will not speak about it. Mais voilà pourquoi but this is why le peuple se meurt. The people is dying. Le peuple se meurt. The people is dying. Mais toi, but you, tu écoutes ça. You listen to this. Je vous ai dit, il y a la dimension. I told you there's the dimension. C'est pour ça il y a des prophètes. That's why there's some prophets. Quand ils ouvrent la bouche, when they open their mouth, ils vous parlent des they speak to des you événements qui préparent le retour de Jésus. Events that preparing the return of Jesus. Oui. Yes. La Bible nous a déjà donné the les Bible signes. Has already given us signs. La Bible nous a donné les signes. The Bible gave us signs. Il y a tellement de signes. There are so many signs. Regardez Israël. Look at Israel. Ce qui se passe. What is happening there? C'est la montre. It is this shows. De Dieu. Il y a tellement this de signes. The word of God. So mais many aujourd'hui, signs. But nowadays. C'est des messages. These are messages. Démodés. Old fashioned messages. Écoute-moi bien. Listen to me carefully. Quand tu as cette dimension. When you are at this dimension. C'est que tu es haut. This means you are high. Pourquoi? Why? Parce que because ce que Dieu attend le plus, what God expects most, ce que l'homme is that man se prépare pour le retour de son fils. For the return of his son. On peut tout avoir sur la terre. You can have everything on earth. Mais si tu perds ton âme, if you lose your soul, qu'est-ce que tu aurais gagné? What will have won? Qu'est-ce que tu aurais gagné? What will you have won? Trop de faux prophètes. So many false prophets qui font en sorte that are making such a way que les gens ne se préoccupent plus du retour de Jésus. Are not worried anymore about the return of Jesus. Qui en fait ne changent pas de vie. They're not changing their lifestyle. Parce que pour eux, because for them, tout ça c'est des conneries. All those things are rubbish things. On est en train de vous séduire. You're being seduced. Et malheureusement, and unfortunately, beaucoup, many sont en train de rentrer, passer par la grande porte. Going through the wide door. Mais la porte but étroite. The narrow door. Ils veulent pas passer par they là-bas. Don't want to go through that. Dans Luc chapitre 2. In Luke chapter 2. Luc 2. Luke chapter 2. Le verset 36. Verse 36. La Bible dit, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge fort avancé après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Azer. She was of a great age and had lived with her husband 7 years from her virginity. Elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. And she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fasting and prayers night and day. Elle survint elle aussi à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient attendaient la rédemption de Jérusalem. And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord and spoke
et of him to all them that looks for redemption in Israel. Un véritable prophète de Dieu, a true prophet of God, parlera de Jésus. Will speak about Jesus. Il vous parlera du Fils de Dieu. Il vous parlera de Jésus ressuscité. Jésus crucifié ressuscité. Il va vous parler de Jésus. Speak to you about Jesus. Mais on entend aujourd'hui des messages. But you hear nowadays messages. Dieu, God, Dieu, God. De quel Dieu vous parlez? What God are you talking about? Votre affaire de Dieu, Dieu. Your matter of God, God, God. Ça n'a qu'à s'arrêter maintenant. It should stop now. Vous connaissez pas Jésus-Christ de Nazareth? Do you know Jesus Christ of Nazareth? Mais en fait, but in fact, il peut pas dire le nom de Jésus-Christ de Nazareth. They cannot say the name Jesus Christ of Nazareth. Parce qu'ils savent. Because they know où leurs deux pieds sont. Where their feet are. Et ils sont beaucoup comme ça. And there are many like this. Et ce sont ceux-là and it is them people qui fatiguent le corps de Christ. Who are disturbing the body of Christ. Et même quand ils disent Jésus, and even when they say Jesus, ils ne parlent pas de Jésus-Christ de Nazareth. They're talking about the Jesus Christ of Nazareth. Ils parlent they're talking de Jésus. About Jesus. Jésus qu'on appelle Bar-Jésus, le magicien. Bar-Jesus, the magician. Parce que mais la Bible nous parle de trois Jésus. The Bible speaks to us about three Jesus. Même quatre. Even four of them. Jésus avait un, Jésus avait dans ses ancêtres among his ancestors, un Jésus. There was one. Maintenant, now, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Il y a Bar Jésus. There's Bar Jesus. Et bien un disciple qui s'appelle Jésus. Disciple was called Jesus. Donc on peut te parler de Jésus. So you could be people. Mais on ne parle pas de Jésus-Christ de Nazareth. But they're not talking to you about the Jesus Christ of un Nazareth. Un vrai prophète de Dieu. A true prophet of God. Il te parlera de Christ ressuscité. About the Christ who's risen. Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Ça c'est la référence. This is the reference. Toi quelle est ta référence? What is your reference? Trop d'arnaqueurs. So many deceivers. Trop de menteurs. So many liars. Trop de personnes qui veulent détruire le corps de Christ. Destroy the body of Christ. Ils savent où ils sont rentrés. They know where the, mais ils seront arrêtés. But they will be stopped. Donc un vrai prophète so de Dieu. True prophet of God. Il prêche. He preaches l'évangile de Jésus-Christ. The gospel of Jesus Christ. Il ramène les cœurs. He brings back the heart. Vers Dieu. Towards God. Depuis que tu es, depuis since que toi tu, are, tu combien de personnes sont converties? How many people have been converted? Est-ce que les gens changent de vie maintenant? Are the people changing the lifestyle? C'est pas le fait d'avoir du monde. It is not the fact that you have crowds. C'est d'avoir les gens convertis. It's to have people who are converted. Suivez-moi très bien. Follow me properly. C'est d'avoir les gens convertis. It's to have people who are converted. Huitièmement. Eighthly. Ça c'est la huitième dimension. This is the eighth dimension. Cette dimension, this dimension, c'est la dimension qui fait très peur. Is the dimension that is very scary. Ça, this, c'est le prophète qui donne des instructions. The prophet will give instructions. Écoutez, dans 2 Rois chapitre 5, in 2 Kings chapter 5, 2 Rois chapitre 5, 2 Kings chapter 5, à partir du verset 10, le verset 10. From the verse 10. 2 Rois chapitre 5, le verset 10. 2 Kings chapter 5. Verse 10. Alors, nous connaissons tous l'histoire. You all know the story. C'est l'histoire du général d'armée qui s'appelle Naaman. It is the story of the general of army called Naaman. Dans sa maison, in his house, il avait une servante. He had a servant. Qui a vu le mal dont she il souffrait. The what he was suffering from. Et c'est elle-même qui va lui faire comprendre. And she's the one who was going to tell him que s'il va en Israël, that if he goes to Israel, il y a un prophète là-bas. There's a prophet over there qui peut régler ça. Who can actually solve this case. C'est comme ça que Naaman this va. This is how Naaman selon les recommandations. According to the recommendation. Il arrive là-bas. So he gets there bien habillé, well dressed, comme un général, like a general, avec c'est-à-dire toute sa garde. All his guard. Mais but le prophète va lui donner une recommandation. The prophet was going to give him a recommendation. Et voilà la recommandation. And this is the recommendation. D'abord, Élisée ne va même pas le voir lui-même. First, Elisha is not even going to see him. Il va dire à Gehazi, dis-lui. He's going to tell to Gehazi, tell him. Dis-lui seulement. Tell him only. Voilà ce que je lui demande this de faire. This is what I'm asking him to maintenant, do. On va lire ce qu'il lui demande. Now we're going to read what he asked him to do. Élisée envoya un messager pour lui dire, va te laver sept fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Amen. And Elisha sent a messenger unto him, saying, go and wash in the Jordan seven times, and thy flesh shall come again to thee. Ma fille Corinne de Nice, que Dieu te bénisse. Daughter Corinne from Nice, God bless you. Sœur Céline, que Dieu te bénisse. Sister Céline, God bless partagez, you. Partagez, parce que des gens doivent share, écouter. Share, because people ils have to listen comprendre. To this. C'est très sérieux. They have to understand, this is very serious.
Le prophète qui donne des instructions. The prophet give instructions. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Le prophète donne des instructions. The prophet give instructions. Naaman, chef d'armée. Naaman, the chief of quel the que army, soit sa position. Whatever his position. Ça ne peut pas effrayer un prophète. This cannot scare a prophet. Oh, quel que soit ta position. Whatever your position. Le prophète s'en fout de ça. The prophet doesn't care about this. Parce que quelle que soit ta because position, your tu n'es pas plus grand que Dieu. You are not greater than God. Lui, il est le représentant he de Dieu. He is the representative of God. Donc, so, ce qu'il va dire. What is going to say? C'est ce qui va arriver. Is what is going to come to pass. Quand Naaman arrive. When Naaman comes. Naaman arrive. Naaman comes. C'est là où. That's when. Élisée dit à son disciple. Elijah tells his disciple. Va voir Naaman. Go and see Naaman. Je veux même pas qu'il vienne me trouver. I don't là. Even want him to come and see me. Dis-lui, va être guéri. Tell me, you want to be healed. Il est au Jourdain. He should go to the Jordan. Il plonge sept fois dans le Jourdain. He should dive into it seven times in the Jordan. Il sera guéri. He will be healed. Naaman a trouvé ça comme une foutaise. Naaman found it like he did not. Like a joke. Parce que écoutez, because listen, quelquefois il y a certaines recommandations que le prophète peut donner. Sometimes there are some recommendations that the prophet can give. Ça aurait l'impression que c'est. He might give you the impression that. C'est comme de l'amusement quoi. It's like a joke, you know? Mais en fait c'est ta solution qui est là. It's just your solution there. C'est ta solution. It's just your solution. Maintenant suivez bien. Now follow. Naaman qui dit, Naaman saying, est-ce que chez moi, is it not back home? Il y a pas l'eau là-bas. There's no water in there. Il y a pas l'eau là-bas. There's no water in there. c'est dit son cortège. Is God. Toutes les personnes qui étaient autour de all lui. All the people around him. Ses conseillers. His advisor. Lui on dit, they told him, chef. You know, boss, chief. Chef, pardon. Chief, please. Si le monsieur là, if that man, t'avait demandé. Ask you quelque chose de difficile. Something difficult. On pouvait comprendre. We could understand. Mais ce qu'il t'a demandé. But what he asked you to do. C'est pas difficile. It is not hard. Jette-toi dans l'eau. Dive in the water. Sept fois. Seven times. Et on va rentrer chez nous. And we go back home. Naaman a obéi. Naaman obeyed. Sa peau est devenue comme une peau de bébé. Became like a skin of a baby. C'était une recommandation. This was a recommendation. Sœur Frida, que Dieu te bénisse. Sister Frida, God bless you. Partagez. Share. Maintenant, regardez-moi bien. Now look. Un des problèmes. One of the problems. Que nous avons dans le corps de Christ. That we have in the body of Christ. Ce que beaucoup de prophètes. That many prophets. Les faux. Those fake ones. Ont commencé à donner des recommandations. They started giving recommendations. En fait. Pour dépouiller les gens. To skin people. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Je vais vous donner un exemple simple. I will give you a simple example. J'ai appris. I've learned. Un homme, un soi-disant prophète. A so-called prophet. Je dis soi-disant parce que pour I'm moi, c'est pas un prophète. I'm saying so-called because for me, he's not a prophet. Il est rentré dans la maison d'une sœur. He entered inside the house of a sister. Et il dit, Dieu lui dit. And he said to the sister, God told him. Que tu dois apporter tous tes bijoux là. That you might bring all your jewelry there. Et quand c'est comme ça, aïe aïe aïe. And when it's like this. Donc là là, il faut montrer que Dieu est descendu. That God has come down. La sœur, the sister, apporte tous les bijoux. Bring to him all the jewelry. Il dit le démon est dedans. He said the demon is inside the jewelry. Dieu me dit que je dois enlever les bijoux de la maison. I have to remove the jewelry out of the house. Il faut que j'enlève. I have to remove them. Et ce sera la délivrance. And this will be the deliverance. Des voleurs, thieves, des menteurs, liars, des gens qui ne craignent people pas Dieu. Who do not fear God. Mais Dieu va régler leur compte. But God will give them account for that. Et vous savez ce qui va se passer? You know what's going to happen? Hey. La sœur a donné tous ses bijoux. The sister gave all her jewelry. Tous ses bijoux. All her jewelry. Il dit mets dans un sachet. He said put in a plastic bag. Je vais te libérer aujourd'hui, I'm Seigneur. I'm going to free you from those demons today. Il a pris ça. So he took it. Il est parti. And he went. Dimanche suivant. Next Sunday. À l'église. In church. C'est sa femme qui porte bijoux. His wife was wearing those jewelry. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Être prophète. To be a prophet. C'est pas pour devenir riche. It is not for you to make yourself rich. Trop de voleurs. So many thieves. Trop de personnes qui ont pris so cette position that use pour exploiter et détruire la vie des gens. And destroy life people life.
C'est pour ça qu'on a trop de problèmes. That's why we got so many problems. Et à un moment donné, on ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Do not know who is true, who mais is false. Dieu va mettre la différence. But God will bring the difference. Maintenant, écoutez-moi bien. Now listen to me carefully. Il y a un autre aussi. There was another one also. Il rentre dans la maison. He gets inside the house. Ils ont toutes les techniques. Hein? Because they are called all kind of techniques to influence you. Si Dieu doit parler là, tu as besoin de beaucoup de sauter. You have to jump and do all kind of things. Parce que c'est les prophètes de Baal qui ont beaucoup sauté. The prophet of Baal, they're the one who jumped a lot. Élie, lui, il était tranquille. Elijah was calm. Un vrai prophète n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. True prophet doesn't need to make all kind of noise. Him, he speaks. Maintenant, écoutez-moi bien. Now listen to me carefully. Ta télévision, your TV. Dieu me dit, God is telling me, tu dois me donner ça. You must give me that TV. Tu dois être délivré. You must be delivered. Parce que le démon sort de la télévision. The demon is coming out of the TV. Aïe. No. Bon, délivre la télévision, mais c'est mieux. So you should bring deliverance on the TV. It's better. Mais la télévision se retrouve dans sa maison. But the TV found himself into his house. C'est quoi tout ça là? What is all? Ce sont ceux-là qui gâtent le nom du ministère. People now that destroy the ministry. Ce sont ceux-là qui font qu'aujourd'hui on respecte pas les prophètes. Because of them, people do not respect prophets anymore. Démon sort de télévision. Demon come now. Après la télévision chez toi à la maison puis tu regardes. And after the TV is in your home and you're watching it now. Mais Dieu va régler le compte de tous ces prophètes. God will solve out the problem of those women. Those who do not fear God. Un vrai prophète. A true prophet. Lorsque Dieu met dans son cœur. When God put in his heart. Des instructions. Some instructions. C'est pour te libérer. It is to set you free. Te sauver. To save you. Te ramener vers Christ. To bring you back to Christ. Et je vais vous donner un exemple. And I will give you an example. J'ai fait un programme. I had a program. Et il y a un jeune qui est venu. And there was a young man who came. Et quand il est venu. When he came. Il voulait que je prie pour lui. He wanted me to pray for him. Et le Seigneur m'a dit. And the Lord told me. Tu n'as pas besoin de prier pour lui. You don't need to pray for him. Tu donnes lui des instructions. Only give him instructions. Et pendant que. And while. J'écoutais. I was listening. Le Seigneur m'a dit. The Lord told me. Il a un problème. He has a problem. Avec ses parents. With his parents. Et. And ça bloque sa vie. This blocks his life. Et ce que tu vas lui donner comme instruction. And what you're going to give him as an instruction. C'est qu'il aille demander pardon. To go and ask forgiveness. À son père. To his father. Parce que sa vie est bloquée. His life is blocked. À cause de ce que. Of that, il a fait. He has done. Bien aimé, Beloved, c'est pas tout le temps on doit imposer les mains. The time you have to lay your hand, people. Quelquefois, certaines délivrances, some deliverances, c'est quelquefois des actes que les gens doivent reconnaître. That people, they have to acknowledge. Mais le prophète doit faire ressortir and les actes qu'ils ont posés, qui font qu'ils sont bloqués. That make them to be blocked. Il faut qu'on respecte les choses de Dieu. Le sacerdoce est trop sérieux. The priesthood is so serious. Les gens font du sacerdoce du n'importe quoi. The priesthood, all kind of things will be. Maintenant, écoutez-moi bien. Non, listen to me carefully. Le frère me regarde. The brother looks at me. Il dit, prophète. He said, prophet. Qui t'a dit? Who told you that? Je dis. I said. Je ne prie pas pour toi. I don't pray for you. Quand tu sors d'ici. When you come out of here. Va demander pardon. Ask forgiveness. À ton père. To your father. Et quand il va parler sur ta and vie. When you will speak on your life. Tu seras délivré. You will be freed. Il a reconnu. He recognized. Prophète, ce que tu as dit, c'est la prophet, vérité. What you said is the truth. J'ai insulté mon père. I've insulted my father. J'ai fait des histoires à mon père. I caused him trouble. Depuis lors. Since then. J'ai des problèmes. I've got problems. Rien ne marche. Nothing is working for me. Je dis, voilà. I said yes. Maintenant, va. Now go. Il est parti. He went. Il a parlé à son père. He spoke to his father. Il a demandé pardon à son père. He asked forgiveness to his Il s'est mis à genoux. He knelt Il a tapé down. Les pieds de son he père. The feet of his father. Son père était touché. His father was touched. Et son père a parlé encore and sur sa vie. Speak again on his life. Sa vie est rentrée dans l'ordre. His life entered back in Il est revenu m'appeler. He came back and called me. Prophète. Prophet. Tout est rentré dans l'ordre. Everything came back in order. J'ai suivi tes instructions. I followed your instructions. Maintenant, now, ma vie a repris. My life has come back. Non seulement, not only, il s'est réconcilié avec son he père. Reconciled himself with his father. Mais il s'est réconcilié avec Dieu. He reconciled himself with God. Les recommandations d'un prophète of the prophets ont pour but are for purpose de glorifier Jésus. Give glory to Jesus. Amen. Quelle instruction? What instructions? Instructions. Instructions. Où on te dit, and which you are told, va, go, l'argent de ta prostitution, faut the money envoyer. Of your prostitution, you should bring it to me. Et Dieu va te bénir. And God will bless you for that. Mais ça va pas dans la tête des gens. Mad, are people mad? Ça c'est quel genre d'instruction? What kind of instruction is this? Donc Dieu lui prend l'argent de prostitution, the money of prostitution, puis, Dieu va te bénir. And God will bless you for that. C'est le prophète Ngom. He's the prophet Ngom. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully.
Nous devons comprendre une chose. We should understand one thing. La, c'est-à-dire la dimension des instructions. Dimension of instructions. C'est la dimension. Is the dimension qui aujourd'hui a tué l'église. Has killed the church. Aujourd'hui. Today. C'est dans cette dimension. It is in that dimension. Qu'il y a des gens qui ont fait ces actes prophétiques incroyables. Unbelievable prophetical action. Hey, hey, c'est pas que je crois pas aux actes prophétiques. It's not that I don't believe in the prophetical action. Mais je ferai les actes prophétiques seulement si Dieu me dit. The prophetical action only if God tells me. Mais il y a des gens. But there are some people. Oh my God. Ils ont pris ça. They use that. Pour créer des ça. Creates to make something. C'est-à-dire un empire financier. What? A financial empire. Ils vont payer. They will pay. Dieu God n'est pas pressé. Is not in a rush. Ils vont payer un à they un. Will pay one after the other. Quand tu connais pas Dieu, when you do not know God, tu peux jouer. You can play. Mais quand tu connais but Dieu, when you know God, il y a des choses que tu peux pas there faire. There are things that you cannot do. Ah! Quelle instruction tu as reçue? What instruction have you received? Est-ce que l'instruction que tu as reçue n'a pas d'impact? From a prophet t'oriente vers la vérité, t'oriente vers le salut, t'oriente vers la paix, t'oriente vers Christ, Christ. Ou or, les instructions instructions t'orientent vers towards celui qui t'a donné les instructions. The one who gave you the instructions only. Ça veut dire un problème. This means there's a problem. Il y a un problème. There is a problem. Écoutez l'instruction. Listen to the instructions d'Élisée. Of Elisha. Il dit va te jeter sept he said, fois. Go and dive seven times. Lui mais il voulait même pas le voir. He didn't even want to see him. He doesn't care about him. Il n'a même pas cherché à le rencontrer. He didn't even try to meet him. Mais aujourd'hui, but today, lorsqu'on parle d'instruction, when we speak about instructions, acte prophétique, a prophetical action. Non. Mais les gens, c'est l'argent. It's money. Oh, but Élisée, Elisha, il dit, he said, Naaman veut le bénir. Naaman wanted to bless il him. Dit, je ne prendrai he rien said, de I toi. I will not take anything out of you. Jamais. Never. Mais aujourd'hui, but today, a prophétique, prophetical action, du sel, salt, de l'huile, oil, kaolé, kaolé. Il y a tout. There's all kind of things. C'est payant. You have to pay for it. Vous allez payer. You're going to pay. Vous qui faites ça, vous allez you're payer. You're doing those things. You're going to le pay for that. The time is coming. Acte prophétique. Prophetical action. Bien aimé. Beloved. Je crois aux actes prophétiques. I believe in the prophetical action. Mais j'ai compris une chose. But I understood one thing. C'est Dieu qui bénit. It is God who blesses. C'est Dieu. It is God. Quand la personne a vu. The person have seen. Que Dieu l'a visité. That God visited him. C'est Dieu. It is God. Qui touche à son cœur. Who touched the heart of that person. Et la personne viendra. And the person will come. Apporter. To bring. Quelque chose. Something. Pourquoi aujourd'hui. Why nowadays. Ils ont pris eux tous sont des prophètes. All of them they became prophets. Tout le monde est prophète. Everybody is prophet now. Pourquoi? Why? Y a quoi? What is there? Si tu es pasteur, ça fait if quoi? If you are a pastor, what's wrong with it? Si tu es évangéliste, ça if fait quoi? If you are an evangelist, what's wrong with it? Hey. Si tu es apôtre, ça fait if quoi? If you are an apostle, what's wrong with it? Si tu pries pour les malades, if ça fait quoi? If you pray for the sick people, what's wrong with it? Tout le monde veut être prophète. Everybody wants to be prophet. Mais voilà le vrai problème. But this is the true problem. Tout le monde veut être prophète. Everybody wants to be prophet. Mais tout le monde n'est pas prophète. But everybody is not. Et c'est pour ça que nous avons and trop de problèmes. We have so many problems. Vous allez me dire que Élisée. You will tell me that Elisha. Il n'avait pas besoin d'argent. He did not need money. C'est un homme aussi. He's a man too. Mais il n'a pas pris. But he did not take it. Il dit va. He says go jette-toi. And dive. C'est même pas lui qui lui donne les instructions. It's not even him who tells the instructions. Moi, mais j'ai même pas mis devant le monsieur. I don't even want to see this man. Mais la Bible me dit. But the Bible tells me. C'est fini. It's finished. Le miracle a été opéré. The miracle took place. Maintenant les Géazis. Now the Géazis. Ce sont the one, les petits, those little prophètes qui veulent l'argent prophets, vite là. They want money quick. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Tu ne sers pas Dieu. You do not serve God. Pour vouloir t'enrichir. To try to make yourself rich. C'est Dieu qui enrichit. It is God who makes rich. C'est pas toi qui dois créer des situations pour t'enrichir. You should create situation now to get rich. Et c'est ça qui fatigue le corps. And that's what actually is disturbing the body of Christ. D'abord un, d'autres veulent pas payer le prix. One, people don't want to pay the price. Et de deux, and secondly, ils sont devenus des escrocs. They become crooks. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes. And that's why we have problems. Et Géasi fait partie de ceux-là. Is part of those group of people.
Alors, then, Gehazi court derrière. Gehazi run after. Il court derrière Naaman. He run after Naaman. Mon maître a reçu quelqu'un. Has received somebody. Ce que tu voulais donner là. What you want to give? Donne. Give, give, give. Quand tu es déjà when you are already assoiffé de l'argent, you so much thirsty for money. Pardon. Please. Faut laisser ce ministère. Leave this pardon. Ministry, please. On est assez, on est fatigué de vous. We are tired of you. Laissez le ministère. Leave that ministry now. Et beaucoup and many se mettent dans cette affaire. Are putting themselves into this parce qu'ils voient le l'argent. They see money. L'argent. Money. L'argent. Money. Mais écoute. But listen. L'argent. Money. Je t'annonce I'm telling you que tu peux même ne pas manger ça, tu vas quitter ce monde. Even eat that money and then you're going to leave the world. La Bible dit, the Bible says, l'argent mal acquis, the money that is not earned properly in the right way, ne prospère jamais. Will never make you be prosper. Si tu veux prendre le nom de Dieu, to take God's name, pour t'enrichir, to get yourself rich, tu auras des problèmes. You will have some problems. Tu auras des problèmes. You will have some problems. Tu auras des problèmes. You will have some problems. Ça va jamais te it réussir. Will never succeed you. Au contraire, on the contrary, la pauvreté va s'attacher poverty à ta vie et la malédiction. To your life and curse. Laisse Dieu te bénir. Let God bless mais you. Mais arrête de prendre le nom de Dieu pour faire God's name, des mamayas, des mamayages, des bêtises, des mensonges, des séductions. Dieu n'a pas besoin de ça. God does not need those things. Dieu bénit. God blesses. Dieu. God bénit. He blesses. Mais avant ça, but before that, il va te faire passer par he has to make you go through le désert. The wilderness. Donc, 8 dimensions. So, 8 dimensions. La 8e. The eighth one, instruction. Instructions. Quelle instruction tu as reçue de la part what instruction have you received from the Lord? C'est cette instruction que tu as reçue. That instruction that you received. Quand tu obéis, when you obey, tu réussis. You succeed. Mais il y a des gens qui n'aiment pas les instructions. But some people that don't like instructions. Ah non 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 non. No 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 no. Il y a des gens qui n'aiment pas ces instructions. Some people that don't like those instructions. Tant que ça ne t'arrange pas. As long as it's not good to you. Tu ne veux pas ça. You don't want it. Mais tu vas vouloir. You're going to want it, you're going to accept Dieu it. N'est pas là pour t'arranger. God is not there to do oh, pour Dieu, pour te faire plaisir. To please you. Lui te donne les instructions pour que toi tu puisses maintenant le suivre et to follow obéir. And to obey to it. Hey. C'est pour ça que that is why, par le prophète Samuel, by the prophet Samuel, il donne des instructions. He gave instructions au roi Saül. To the king Saul. Il dit tu t'en vas là-bas. He says you're going there. Tu ne prendras rien là-bas. You will not take anything there. Tu passes par l'épée. You use the sword on them. Tout, c'est-à-dire ce peuple-là. All these people. Mais prends rien là-bas. But don't take anything from them. Voilà l'instruction. This was the instruction. Saul arrive là-bas. Saul got there. Il détruit tout. He destroys everything. Et puis prend les meilleures choses. And he takes the best thing. Et garde. And he keep them. Beaucoup font ça. Many people are doing this. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Être prophète, to be a prophet, c'est d'abord un appel de Dieu. It's first God's calling. Être prophète, to be a prophet, ça n'a rien à voir avec le don de prophétie. It's got nothing to do with the gift of prophecy. Être prophète, to be a prophet, c'est pas se réveiller un matin. It is not to wake up one day. Et puis calculer dans sa tête. And start calculating in your mind. Bon, je vais ouvrir ma boutique. Okay, I'm going to open my shop. Parce que j'appelle pas ça ni ministère ni église. I don't call it not a ministry, not even a church. Et puis je vais commencer. And I will start à parler. To speak. Parce que je sais bien parler. I know how to speak well. Pour faire croire. To make people believe. Ou bien faire. Or pretend. Des micmac. To micmac. Parce qu'aujourd'hui il y a trop de cinéma. Today there are some kinds of jokes. C'est pas ça. This is not that. Premièrement. Firstly, comme je l'ai dit, like I said, le prophète, the prophet, dans sa première dimension, in his first dimension, il est celui is the one qui encourage, who encourages, qui exhorte, who exhorts, qui édifie, who edifies. Deuxièmement, secondly, c'est le prophète, is the prophet, qui apporte un jugement, who brings a judgment. Troisièmement, thirdly, c'est le prophète, is the prophet, qui donne des directives. Directives. Quatrièmement, fourthly, c'est le prophète, is the prophet, qui révèle les secrets des cœurs. The secrets of the heart. Cinquièmement, fifthly, c'est le prophète, is the prophet, qui annonce les événements à venir sur les nations. On nations. Sixièmement, fifthly, c'est le prophète qui avertit who warns le peuple, the people of God. Sixièmement, sixthly. Septièmement, seventhly, c'est le prophète qui annonce who announces la fin des temps. The end of days. Et huitièmement, and eighthly, c'est le prophète qui donne the prophet des who gave instructions. Instructions.
Maintenant, quand tu as compris ça, now, when you understand this, c'est dans quelle dimension? In which dimension are you in? Toi, tu vois seulement le cœur des gens. You only see people's heart. Ou toi, tu avertis. Or do you warn? Ou toi, tu donnes des instructions. Or are you giving instructions? Quelle est la dimension dans laquelle what tu es? What is the dimension to which you are? Voilà pourquoi. This is why. Aujourd'hui là. Today. Tu as écouté. You have listened. Tu sais. You know. En tant que prophète. As a prophet. Ou prophétesse. Or prophetess. Dans quelle dimension toi tu te trouves? Which dimension you are in? Maintenant, quand tu sais dans quelle dimension now, tu te trouves. When you know in which dimension you are in. Ne copie pas les autres. Do not copy the others. Mais reste dans ta dimension. But stay in your dimension. Si tu dois changer de dimension. If you have to change the dimension. Laisse Dieu t'emmener plus haut. Let God take you higher. Mais ne force pas but les choses. Do not force into things. Sinon tu vas mentir. Otherwise you start lying. C'est pas tout le monde que Dieu a donné la capacité de voir. To whom God has given the ability to see. D'autres sont some des voyants. Seers. Et d'autres sont des prophètes and simples. Some, they are simple prophets. Je vais pas rentrer dans cet enseignement I'm not maintenant. Going to enter into this teaching now, mais je veux simplement dire que but I simply want to say le voyant, the seer, c'est celui qui a la capacité de voir the ability to see spirituellement. Spiritually. Le prophète, the prophet, c'est celui qui a la capacité d'écouter Dieu. Il lui donne des instructions et il transmet. Instruction and it transfer it. Donc, so, chacun a reçu une grâce. Everyone has received a grace. Mais dans tout ça, but in all c'est pas dimension. It is by dimension. Donc, si toi, so if yourself, tu comprends ça, you understand this, travaille dans ta dimension. Work into your dimension. Mais ne fais pas but do not do ce que Dieu t'a pas demandé what de faire. God hasn't asked you to do. Sinon, otherwise, tu pêches aussi. You sin also. Donc voilà, c'était le prophète Ngong. So this was the prophet Clement Ngong. Voilà, je voulais juste ce soir I just wanted quelqu'un. This evening to encourage someone pour te dire to tell you que Dieu that God nous aime. Love us. Toi-même qui écoutes, yourself you are listening, Dieu t'aime. God loves you. Jésus-Christ de Nazareth, Jesus Christ of Nazareth, il t'aime. He loves you. Toi qui as un ministère prophétique, you have a prophetical ministry. Dieu compte sur toi. God counts toi on qui as un autre ministère, you have another ministry. Dieu compte sur God toi. God counts on you. La chose que tu dois the retenir, that you must keep in mind, fais do ce que Dieu t'a demandé. What God has asked you to do. Ne te laisse pas influencer par ce que les autres font. Influenced by what others non, are doing. Mais fais ce que no, Dieu te demande de faire. God asks you to do. Bien aimé, beloved, c'est là la réussite du that's ministère. That's where the success of the ministry comes. Et donc c'est pour ça que ce so soir, this is why this evening, je voulais vous partager I want you to share with les huit dimensions, the eight dimensions d'un ministère de prophète. Of the ministry of the prophet. Et je suis convaincu and I am convinced que si tu es prophète, if you are a prophet, ce message, this message va booster is going to boost ton ministère. Your ministry. Parce que tu sauras because you will know quelle est la dimension dans laquelle what is the dimension to which you opère. You are operating. Surtout, mostly, ne jalouse pas. Do not jealous. Si tu n'es pas dans la dimension de quelqu'un d'autre que tu as envie d'être comme lui. Of someone and you desire to be like that person. Non, demande au Saint-Esprit. No, ask the Holy Spirit. Il va t'aider. It will help you. Paye le prix. Pay the price. Mais cherche la face de Dieu. Seek God's face. Prie et demande à Dieu. Pray and ask God. Mais ne fais pas do not do ce que Dieu t'a pas demandé. What God hasn't asked you. Ne te lève pas un matin. Do not let, get up one day pour dire to say, je suis prophète des nations. As a prophet of nation. Entends ta propre maison, tu vois rien. Your own house, you don't see anything in it. Ton propre village, tu your vois rien. Your own village, you don't see anything. Ta propre ville, tu vois your rien. Your own town, you don't see ton anything. Ton propre pays, tu ne vois your rien. Your own country, you don't see anything in it. Arrête ça. So stop those things. Plus tu es en train de dire des choses but qui ne sont pas vraies. You are saying things that are not true. Tu tues l'onction que tu as. You are killing the anointing that is on your life. Voilà pourquoi. This is why. Beaucoup de prophètes. Many prophets. Leur onction a diminué. Has diminished. Parce qu'ils ont usé des positions qui ne sont pas they have stolen some position that is not theirs. Je vais m'arrêter là. I want to stop here pour ce soir. For this night. Je crois I believe que quelqu'un a compris. That someone understood. Je vous en supplie. Please. Partagez ça sur share tous les réseaux. This on all the network. Il y a des hommes there are some men qui ont besoin d'écouter. Who need to il y a listen des femmes qui ont besoin d'écouter. Woman, they need to listen et vous allez voir, and you will see ça va les aider. This will help them. Dans leur marche, in their walk, ça va les aider. This will help them. Dans ce qu'ils feront into what they'll do avec le Seigneur. With the Lord. Ils sont avertis. They will be warned. Ils ont compris. They have understood. Et je crois and I believe qu'à la finalité, that in the end, ils seront they will know des hommes et des femmes they will be équipés men, par la puissance du Saint-Esprit pour accomplir le plan de Dieu. To fulfill God's plan. Je vais maintenant prier. Now I want to pray pour tous ceux qui sont for all those connectés. Who are connected. Père, je voudrais Father, I would like, dans le nom précieux de Jésus-Christ in the precious name of Jesus Christ of Nazareth bénis tous ceux qui sont to connectés. Bless all those who are connected. Seigneur, on a parlé Lord, you have spoken des huit dimensions about the eight dimensions d'un prophète. Of a prophet. Seigneur, Lord, ton peuple
périt par manque de connaissance. Mais je prie but I pray qu'au travers de ce message, that this message qui a été partagé, that was shared, que ton peuple that your people puisse à partir de ce soir, this evening, ceux qui sont appelés au ministère prophétique, the prophetic ministry, remettre leur ministère to break en règle afin qu'ils soient des instruments entre tes mains pour accomplir ta volonté au nom de Jésus. Your will in the name of Jesus. Je prie I pray que ta bénédiction that your blessing localise tous ceux qui sont connectés all those who are connected, et que tu accordes that you grant ce que leur cœur désire, what they have desire, que le Saint-Esprit that the Holy Spirit remplisse feel tous les prophètes all the prophets qui sont connectés who are connected, par une onction de grâce, de faveur, anointing of grace and une favor, grâce exceptionnelle, exceptional une grâce supérieure, a superior grace, qui va les faire monter à un autre niveau let them go up to dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu bénis tous ceux qui sont connectés. Father, you bless all those who are connected. Et je prie and I pray que Dieu that God tu puisses accorder you can grant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth une accélération an acceleration de leur miracle in a miracle dans le nom de Jésus in the name of Jesus. Que dans la semaine qui arrive in the coming weeks, que déjà that already, les bonnes nouvelles parviennent à chacun d'entre eux to each one of them, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je vais te dire merci Lord, I want to thank you parce que je crois que ce message, I believe that this message a touché les cœurs, has touched the hearts, a touché les vies the lives, et apportera une transformation, and a transformation parce que ton because ton église your church a besoin needs des hommes et des femmes and women qui te craignent who fear you et qui marchent and walk selon ta parole to your word et par ton esprit. And by your spirit. Que toute la gloire te revienne, Jésus-Christ de Nazareth. Jesus, merci encore pour ce message, for this message, pour tous ceux qui ont été connectés. Connected, tu les bénis you bless au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Amen, amen, amen. Donc vraiment, je tenais à saluer vous tous qui, qui avez pris vraiment le temps d'écouter. Who have taken time to listen. Ma belle. Babouzou Chantal depuis la Tunisie. Que Dieu te bénisse. God bless you. Sœur Lydia, que Dieu te bénisse. Ma fille Carmen, que Dieu te bénisse. Évangile Camille, mon fils, que Dieu te bénisse. Vraiment, soyez bénis, 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 bénis. Et j'ose espérer que vraiment ce message vous a fait du bien. Je suis convaincu. Marie Chantal Kofi, que Dieu te bénisse là où tu es. Oui, j'ai vu également l'évangile série de l'Italie que Dieu te bénisse. God bless you. Et donc, nous nous retrouverons, Dieu voulant, la semaine prochaine et que Dieu nous conduise. Que Dieu vous bénisse. Passez vraiment une bonne soirée. Au nom de Jésus. Ma soeur, ma fille Rita, que Dieu te bénisse. Depuis la France. Oh, ma fille également, Eloge, que Dieu te bénisse. Alors donc, je vais vous laisser. So I'm going to leave you now. Et partagez, continuez à partager, ma fille Corinne, Denise, que Dieu vraiment vous bénisse. Partagez, partagez, parce qu'il faut que le maximum de personnes puissent écouter ce message. Ça va vraiment aider. Que Dieu te bénisse, mon fils Charles Boya, le pasteur depuis Wolverhampton.